Tu me dis quand c'est bon, hein. C'est bye. Bonsoir, messieurs, dames, j'espère que vous allez bien. Il est très exactement 20h36 minutes. Nous sommes le 11 janvier 2023. Nous sommes l'hiver, j'ai 30 ans. Et nous sommes sur Escape Academy, une foule découverte. Et je suis en compagnie de, bien sûr, messieurs, dames, vous n'allez pas le croire parce que c'est vraiment extraordinaire d'être en compagnie de cette personne-là. C'est simple, j'arrive pas à le dire en fait. C'est tellement énorme en fait. C'est énorme comme. Voilà. C'est vraiment un privilège de partager cette session avec cette personne qui est une personne que j'ai Ah, c'est rencontrée difficile tout seul, hein, de tenir. il y a un petit moment déjà. Ça fait peut-être 2-3 ans qu'on se connaît. J'ai entendu une voix, mais ce n'est pas cette personne encore. Parce que la personne que je connais a une voix beaucoup plus aiguë et beaucoup plus enfantine, on va dire. Du coup, je disais, oui, c'est une personne que j'ai rencontrée il y a environ 2-3 ans, une personne absolument extraordinairement chiante, très désagréable, extrêmement aigrie, mais c'est pour ça que je l'aime. Mesdames et messieurs, je parle bien sûr de cette personne qui est très 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 chère à mes yeux et qui ne cessera de faire bondir mon gland et d'exploser ma braguette. Je J'ai parle noté. bien sûr de Monsieur Shin Taratsu. Bonsoir Bonjour. Shin. Bonjour. Bonjour. Alors, je sais pas ce que t'as raconté, mec, parce que j'ai littéralement posé le casque sur mes jambes. Je me suis dit, bon, je vais quand même le reprendre. Je sais pas s'il m'a introduit. Mais ça fait 1 heure Donc. que je t'introduis, mec. Hein. Bien, comme l'a dit sûrement QR, je sais pas trop, on est sur Escape Academy, on va découvrir le jeu à deux, c'est cool. Bonjour à vous qui êtes sur YouTube, j'espère que vous avez apprécié cette longue introduction. Mais il faut que ce soit long pour que ce soit bon. Tout à fait. Pas ouf celle-ci, pas ouf, pas ouf, pas ouf, pas ouf, ouais. T'aurais pu faire mieux, mais J'aurais pu, c'est pas mal. elle était C'est pas simple, très, mal. trop simple, ouais, et puis parler de. Ouais, Ah, je pense que t'as déjà fait ah, des allusions au cul, non? ah. Jamais. Donc c'est bon, ça part. Bref, on découvre, on vient de s'inviter, on est en mode online, c'est le prologue, on n'a pas de papier, on n'a pas de crayon. Moi j'ai papier crayon. Ah J'ai toi du t'as papier, man. bah oui, il va falloir que je le J'ai du trouve parce papier, man. OCB. Tu connais? que. Du coup t'as pas de crayon, t'as du carton. C'est ça. J'ai du toka, j'ai du Non mais papier, j'ai j'ai du rien, toka. bon et je te fais confiance, tout de tête, tout de tête. Allez on est parti, je clique sur continuer. Et ça m'a fait continuer également. Let's go. Ding! Oh, bonjour, vous êtes là? Oh! Je ne vous avais pas vu sur la liste des réservations. Donnez-moi un instant. Non, c'est le même encore. Bienvenue à la maison de l'évasion. Le meilleur escape game que vous pourrez trouver. Avez-vous ce qu'il faut pour vous évader de l'inévadable? Désolé, on me force à dire ça. Bref, empruntez cette porte là-bas et commencez votre périple dans l'escape game, ou un truc du genre. Votre partenaire n'a pas fini de lire, patientez un peu. Bam, direct, c'est bon. Décharge de responsabilité. J'assume la responsabilité des risques encourus, en marchant avec. Oh, c'est trop marrant comme tuto ça. Ouais. Elle, en interagissant avec croix, accepte de consulter mon inventaire avec triangle et interdit de courir avec L3. Mais qui va vérifier? Propriétaire n'est pas responsable des éventuels dommages, blessures ou fractures du cerveau. Ok. Joystick, croix, triangle. Je signe. Évadez-vous. Évadez-vous. Good luck in there, I guess. Oh, on est en écran splitté. Oh, c'est cool ça. Oh, cette gueule! Attends, mais c'est WAM ou t'es plus grande que moi? Je suis plus grande que toi, mec. Comme Ah, quoique voilà. non, en fait, ça dépend juste comment on se met en termes d'angle, quoi. Alors, je pense qu'on fait la même taille. Ok. Oh putain, mais il y a du temps, mec, en haut. Ah oui. Alright. Alors, attends, parce que alors là. T'as un start, toi aussi, ou pas là? J'ai un start. Ok, je vais. Je vais mettre un peu de vision là autour de WAM là. Tac, Attends 2 secondes parce j'ai qu'il faut mis que je change que je 120 au change le champ de titre. vision. Oh, 120 c'est trop. 90. Ouais, 90 c'est mieux. En champ de vision? Ouais, 90 c'est bien. Là on est 60, je trouve c'est serré.
Oh, il va falloir que je mette. Attendez, je vais mettre mon petit portable à recharger. Pif, attends, pouf. Parce que moi, il trouve pas Escape Academy Twitch. Ah bah, moi, je sais même pas s'il a trouvé. Ouais, s'il si, a il trouvé. A... Oh, mais il va peut-être le trouver à un moment. Bon, alors attends, parce que là, il faut qu'on, faut qu'on fasse des trucs quand même. Inspecter. Attends, je vais relancer mon live. Ramasser. Les rouges. Les Escape Games, ils fleurissent partout. Attends, mais tu veux qu'on recommence la mission? Non. Bien. Est-ce la clé pour passer un bon moment? Désolé, on ne pouvait pas avoir, on ne pouvait avoir qu'un seul coffre au trésor. Utilisez votre imagination pour celui-ci. La direction. Donnez okay. L'objet. Alors moi, j'ai eu un, j'ai une coupe, un gobelet rouge avec un R dessus. Au moins, cette société secrète reste au frais. Excellent. Ok, il nous faut une clé basique. Avec un verrou. Ok, j'ai trouvé un gobelet jaune. Avec un O dessus. Caresse et indice, je peux te dire que jamais on met d'indice. Si vous lisez ces lignes, bienvenue initié. De votre premier défi, il est maintenant l'heure. Car pour entrer dans notre secrète société, tous les initiés doivent prouver leur valeur. Pour ouvrir votre esprit, la patience est la clé. Celle de la confiance est vôtre si vous la méritez. Lisez l'heure pour ouvrir. C'était les mots qui étaient soulignés. Midi 30. Midi 30. 12h30. Tiens le coup, mon gars. Putain, c'est de gueule. Good job, bro. Indice mystérieux. Gobelet bleu. Gobelet ? J'ai eu un gobelet et un indice mystérieux, épinglé. Bleu, jaune, rouge, bleu. Bleu, jaune, rouge, bleu, ouais. Attends. Moi j'ai R et O. Jaune c'est O, R c'est... et rouge c'est R. Et gobelet c'est... et bleu c'est S. Tu peux remettre... Ah putain, j'ai ma cam au niveau de tes indices, mais c'est pas grave. Tu peux remettre les couleurs. Bleu, jaune, rouge, bleu. Non, pas d'indice. Non, non. Objet. Ah, du coup, c'est or. Et toi, c'est S. C'est source. Source. S. Gobelet bleu. S. S, O, R. Ah, c'est sort. Ok. Clé de la confiance. Croix. Ok. On se casse. S, O, R, S. Utilisez objet. Clé. Let's go. C'est pas fini. Bon, d'accord. Hein? Où est passé l'employé? Serait-elle partie? Étrange. Très bien. Ah, j'ai aussi eu le gobelet bleu, du coup? Non, je veux pas d'indice. Hein? Attends, mais j'ai eu tes objets? Ça, ah, ils m'ont tout enlevé, c'est bon, ok. Ah, j'ai plus d'objets moi. Ouais, moi aussi c'est enlevé. Alors qu'est-ce qu'on a? Essayez de ne pas mourir, merci. Inspecter les produits dérivés. On quête ça a changé l'isolation. Salut mon petit pilote, j'arrive pas à changer le jeu. Oh. Le titre du jeu. Ça marche pas. Il trouve pas Escape Academy. Chez Chine il trouve mais pas chez moi. Ah y'a la télécommande. J'ai bouffé une part pizza. Oula, j'ai un poisson rose. Et j'ai trois objets. Je pourrais scanner quelque chose ici. Ah! Faut qu'on trouve des trucs à scanner. Personne n'utilise ça, c'est évident. C'est pas évident pour tout le monde. Oh, j'ai un code là! Oui. Attends. Non. Deux secondes. Qu'est-ce que c'est? Ah! Le A c'est un N ou le N c'est un A, c'est ça que ça veut dire? Adieu. Oui. Non. J'arrive, hein. Ouais, ouais. Carte de visite d'Ali. Service fiscaux de Canty. EEL se trouve dans vos égouts, contactez EEL. EEL est un loser, il perd tout le temps contre nous. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Carte de visite de Jeb. Cours gratuit d'art plastique avec slip. Épuisé.
ton Tenaum donne soif de réponse. Oh, c'est bien, c'est beau. Il y a les chiottes. Il faut une clé pour aller dans les chiottes. Ça coule de source. Quelque chose cloche ici, je devrais continuer mes recherches. D'accord. Mais là, on a... pourquoi on n'a pas de temps en haut? On n'a pas d'indice à faire là, je crois. Si, si, c'est Pépouze là. C'est quoi ça? Ah, t'as une télécommande. Attends, mais ça, c'est les. C'est les maillots, ça. Haut, droite, bas, haut, droite. Où t'as trouvé ça, le. Haut, droite, bas. Ah oui. Haut, droite. W-R-O. Va dans l'autre salle, tu vas voir ce que ça veut dire. Attends. Le petit KGB derrière toi. Attends, j'ai pris un papier et un crayon, mec. Au pire, tu me dictes. Bah oui. Oh, puis y'a pas de temps là, on est pépouze. À ta droite. Oh. WRO. Ah, mais on peut se mettre en grand écran avec R2. Ah oui. Trop bien ça. Donc WRO, c'est 1. Hein? WRO. C'est le premier. 1, c'est WRO. Mais faut que tu me dises ce que ça veut dire WRO. Le tableau à ta droite, c'est genre. W. J. E. B. Jeb. Oh putain. C'est. Attends, bah faut que je te file des trucs. Donner objet. Faut que je te file tout ça. Tiens. Carte de visite. Échange entre élèves. Trop faux obtenu. Donner au moins 5 objets à son partenaire. Ok. Tiens, faut que tu mettes les trucs. Donc ça, c'est la 1. Faut que tu mettes Jeb. Je t'ai donné des cartes. Dessus, il y a des marques. Okay. Après, c'est NYVVR. De toute façon, tu vois mon écran. Je suis con. Attends. Après, c'est... N-Y-V-V-R. Non, N-Y-Y-V-R, pardon. N-Y-Y-V-R. 5 lettres. Al-lalalal... Ali quelque chose, ok. N-L-L-L... Ali B. Et R-R-Y. Ah bah c'est E-E-L, ouais. E-E-L-E-L. Ok. Let's go. J'ai une clau. Ouais, la clau. La clau. J'ai la clau des mensonges. C'est là, c'est dans les chiottes. Vite, sors, y'a plus de temps, les cons. C'est la clé de là où t'es. Pourquoi tu m'as enfermé, bâtard? On se casse? Oui, c'est dans les chiottes. Il s'est passé des choses dans les toilettes apparemment. En wow. Panne. Ah, en panne. J'ai hâte de me laver les mains ici. On n'est pas au top de l'hygiène ici. Mais il y a une porte, il y a un truc secret en dessous. Oui, je sais, il est là. Par contre, il y a vraiment des signes œil triangle partout quoi. Faut qu'on descend? Ouais, je suis en dessous. Oh putain! C'est nous, bro! Et là, Cam. Ah, there you are! Bonjour. C'est la voix 9¾? Ouais. Je suppose que vous avez remarqué que ce n'est pas une escape game ordinaire et je ne suis pas une employée ordinaire. Je suis. La doyenne d'Escape Academy. Un établissement académique dédié à l'étude de l'évasion. Un lieu qui transforme le talent brut en une valeur sûre, douée d'aptitudes inimaginables. Je crois déceler du potentiel en vous et j'aimerais vous offrir une chance de participer. Si vous voulez sortir des sentiers battus et vous évader, alors montez à bord. Très bien. Perfecto. Allons-y. Monte-moi à bord. Tu peux pas m'être chier là? Le dev est pas terrible. Bon, ça va encore. C'est le début. La quoi? La dev. C'est quoi la dev?
Bah, je pense qu'il parle de l'ambiance, genre les graphismes. Ah, la DA. Ça. La DA, peut-être. Tu voulais parler de la DA, peut-être, Pilo. Ah, on a eu à plus. 9 minutes. C'est pas mal. Cours officiel, bah, oui. Travail de terrain, interro surprise. Une phrase secrète est cachée par cette note. Ah, mais ça récap ce qu'on a déjà fait. Ok. Ah, ok. Ouais, bon, bah ça, on s'en bat les couilles, oui. Tout à fait. Non, je rigole juste, il sait pas lire. Je sais pas, tu me dis la dev est pas terrible. Le dev. Ah, le dev. Oh putain, le dev. Je rigole juste, il sait pas lire. Combien de ta mère. Combien de fois. Allez, fais-nous la voix de Jeb. Venez, mec. Le gars suivre cette voie, puis prendre à droite à la cour commémorative d'Elberts. Bonne chance pour l'examen d'entrée. Oh, au fait, moi c'est Jeb, le gardien. J'imagine est tellement pas avec cette voix. Moi non plus. C'est oh, je vois ta souris, putain. Mon petit clito. Bon. Le bureau de la doyenne. Mon dortoir. Ok, bon, ça c'est la map du coup. Allez, go. Renaud Louen. Oui, il y a une connasse. Alors, quel prof je devais voir de... Allez. Allez, une voix. Allez, monsieur, là. Alors, quel prof je vais devoir impressionner? Si je vais être en tête de classe à la fin de la première année, il faut que... Dis, personne t'a jamais appris que c'est mal poli de regarder les gens comme ça? Tu la mates. Si maman voyait qui on laisse entrer ici ces derniers temps... Bon. Ok, bon. C'est pas ouf. C'est la même chose qu'elle dit. Putain, j'ai eu peur. Oh, j'ai eu peur. Deux. Quel prof je vais devoir... J'ai eu peur. Wow. Merde, ça a quitté. Ah, mais on peut pas se déplacer ici? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ma lunette. Je sais pas, moi. On pouvait inspecter. Ok. Très studieux. Ah, mais en fait, quand on clique en même temps, on se fait baiser. Ok. L'examen d'entrée, 15 minutes. Difficulté 2. T'es prêt? Oui. Hello there. Oh. Ah, vous voilà, formidable. Accouplement de souris, ça me dégoûte. Comment? Nolwenn qui met accouplement de souris, ça me dégoûte. C'est toi la doyenne, non? Non, c'est toi. C'est moi la doyenne? Oui. Ah, vous voilà, formidable. Je ne vois que rarement des candidats qui ont eu autant de potentiel que vous deux. Désolé de vous parler par caméra interposée, mais je dois tout penser à ma propre sécurité. Voyez-vous, cette salle est en train de se remplir lentement d'un gaz qui efface la mémoire. C'est ainsi que notre établissement pourra rester en secret en cas d'échec de votre part. Je dirais que vous avez environ une quinzaine de minutes. 15 minutes. Après ça, vous perdez connaissance et vous oublierez tout ce que vous savez au sujet de l'académie. Évadez-vous avant ce délai et vous aurez réussi l'examen d'entrée. C'est parti. Ah, mais Nolwenn, le duo, si tu connais pas encore, il est incroyable, ouais. Il est exceptionnel. Ok, donc examen d'entrée. Let's go! On a 15 minutes, mec. Faut une clé pour sortir, mec. Insane. Il y a rien d'écrit sur ces trophées. Étrange. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça fait combien de temps que ça traîne ici? C'est dégoûtant. Votre nom? Prénom? Barbara, Charlotte, Déborah, Elisabeth, Gloria, Judith, Kimberly, Linda, Marie, Patricia, Sandra, Tiana. Ok. Bon, faut qu'on trouve des infos ici, quoi. Cette plante est très bien entretenue, le doyen doit beaucoup tenir à elle. Ok, j'ai un truc avec un code à 3 chiffres, de 0 à 9. Je compte... Ah, heure plante. Heure plante trophée. Trophée 3. Heure, c'est quoi? C'est les horloges? Heure, c'est 12. Ou 0. Non, il y a deux horloges. Mais elles ont la même heure. Ouais, 0. Oui, ouais, mais c'est que... Ah ouais, pour je minuit. Pense... Ouais. Parce que... Pourquoi 3 trophées? Ah, parce que... Il y a 3 trophées ici, mais il n'y a rien marqué dessus. Ah bah alors, c'est le nombre alors qu'il nous faut. Ouais. Donc, 3 trophées. Donc c'est 2 horloges. Si on part sur 3 trophées, 2 horloges. 2 horloges, 3 trophées et plantes. 1, 2, 3. 2. 4. Non.
2, 3, 4. 4. Oh, j'ai 4 aussi, moi. Ouais, 4. Donc, 2, 2, 4, 3. C'est pas ça. Attends, c'est horloge, trophée. Et plante. Enfin, horloge, plante, trophée. Ah non, non, 5. 5 plantes, il y a une plante en haut là. Ok, c'est good. J'ai des cartes postales. Attends, heureusement que je réfléchis. Hein. Nouvel objet, la doyenne en Grèce. Doyenne en Égypte. Doyenne au Japon. 154, et j'ai des dates. 75. Non, pas d'indice. Objet. Voir. 75, 91, 54. 54, 75, 91. Ok. Ah, j'ai une petite clé. Oh. Job. Poche en vide à présent. Oh, il y a des livres. Ah, faut remettre dans l'ordre. C'était quoi? Objet. Grèce, Égypte, Japon. Donc Égypte, Japon, Grèce. Ah, faut que je pousse. Bah, Égypte, Japon, Grèce. Let's go, j'ai une nouvelle pièce, mec. On ira voir. J'ai ramassé une disquette. Une disquette ? J'ai une disquette et j'ai une Cléo. Une Cléo. Ah, utiliser objet. Mais c'est pour le GG, Nolwenn. Ok, j'ai ouvert le tiroir avec la petite clé, tiroir du bureau. Okay. J'ai un tournevis. Et j'ai une photo de groupe. C'est quoi, la photo de groupe ? Liz, Rick, Sandy, elle, Charlie ou Kim. Ah, il va falloir qu'on sache qui c'est parmi elles, parmi eux. Ah, faut qu'on retrouve le nom de la meuf. Ouais. En fait, faut qu'on retrouve le nom de la doyenne, en fait. Ah, ok. Bon, qu'est-ce qu'on a dans la nouvelle pièce? Poche vide. Ah, disquette ici, dans la petite pièce. À ta droite en rentrant. Oula. Des mousquets à poudre noire. L'ami doré. Donnez-moi tous ces bijoux, la doyenne a une grosse collection. L'ami doré. L'ami doré. Ouais, la disquette, ça me dit l'ami doré. Voilà, une collection de bijoux. Elle a des guns. Elle a un piano. Faut faire une chanson au piano. Genre do ré mi fa sol. Ce masque de renard me dit quelque chose. Ah, c'est qui a le masque de renard sur la photo? Elle, Hill. E2EL. Enfin, 2EL. Non, c'est une meuf, c'est Sandy. Ah, c'est Sandy? Ah oui. Bah, c'est la doyenne qu'on cherche. Ok. Mec, je suis en train de jouer Metal Gear Solid. Comment tu voulais qu'on reconnaisse ça? Un faux crâne. De l'or. Ok. Château d'escape. Un bon millésime. Ça c'est classe. Par décision du conseil de l'évasion et des honorables membres de l'Escape Academy, se voit décerner le titre de professeur d'évasion. Magistrat du conseil. Juif. Le comment ça, juif? Je sais pas, mec. Non, juif, il y a marqué. Juif, inspecté. J'en sais rien, moi. L'ami doré. Ah, c'est lui, l'ami doré, non? Non, regarde, hop. Comment on dit qu'elle s'appelait? Sandy? Non. Ouais, ça doit être Sandra. Sandra, deuxième prénom. Alice, Beverly, Cynthia, Electra, Peggy. Et non. Y a pas l'ami doré dans les. Non, il faut qu'on trouve. Salut Evan, ça va ou quoi? Je me suis calé dans le lit, je sais pas si je vais tenir longtemps. T'inquiète, y'a pas de soucis, Nolwenn. J'attends
Escape, un bon millésime. D'accord. L'ami doré. Putain, parce que j'ai un tournevis, mais il faudrait que j'utilise aussi. Oh oui, c'est vrai que t'as un tournevis. Ah, tu peux pas utiliser le tournevis sur la statue ? Là, là ? Non. Ce qu'ils te disent quand tu peux utiliser un objet de façon. Décoration rustique. Elle a pas des bijoux, les trucs comme ça sur sa photo ? Sont vides. Mais il nous faut un truc avec le piano de toute façon. Ah, je peux. Non, c'est bon, j'ai trouvé le tournevis. Hop là. Passe-partout. Ouvrir des serrures. T'es où ? Dans l'autre pièce ? À côté de la porte. Ouais, à côté de la porte. À droite de la porte, j'ai ouvert un conduit. T'as un numéro de téléphone ? Ouais. Attends. 05 36 49 42 42 69. You've reached Jeb. Oh wait, Headmaster Solange. Solange, aren't you interviewing the new kid? Ok. On a Solange. Sandy Solange. Donc Sandra Solange. Ah non, ça va être son nom, Solange. Oui. Il nous manque son deuxième prénom. Attends, j'ai une idée, mec. La mi do ré. Oh, music never dies. Waouh. Tu l'as eu, mais trop bien. Ah bah Evan l'avait mis dans mon chat en plus. Pas de ouais, pas de backseat hein. Mais ouais, je l'avais trouvé avant de regarder, mais pas de backseat, hein, s'il vous plaît. T'as une ampoule à UV ? Ouais, j'ai une ampoule à UV, mec. Inspecter. Tu peux pas la tenir, de base ? Non, je peux juste la voir. Ah, si vous voulez vous évader, vous devez répondre à une question, quel est mon nom ? La gazette de l'évasion, la douane doit recevoir la camisole. Ah, mais Nolwenn elle l'avait mis aussi! La, mi, do, ré. Solange, ampoule UV. Tu sais que j'avais pas du tout la mi do ré, mec? Une lampe à UV? Putain. Peut pas foutre une lampe à UV là-dedans, là ? Là ? Ça sert à rien. Ah, là ! Right. Jacqueline ! C'est Jacqueline ! Jacqueline ! On arrive. Let's go! Nul, nul, nul. Ah ouais, je l'avais pas du tout, l'ami doré. I knew I saw potential in you. Insane! On a eu A! Je me trompe rarement au sujet des élèves que je recrute, et vous ne faites pas exception à la règle. Let's go. Let's go, mec. Putain, on avait... Attends, on a mis 5 minutes ou on a mis 10 minutes? On a mis 10 minutes. Parce qu'on avait un quart d'heure et il nous restait 4 minutes et quelques. Oh la vache. Ah ouais, on a mis du temps quand même. À toi, vas-y, c'est bon. Hein. Je savais que je ne me trompais pas sur votre compte. Vous n'imaginez pas le nombre de recrues potentielles que nous avons dû faire sortir sur un brocard. Mais c'est pas assez. Vous voulez du contexte, des réponses, de quoi aller de l'avant ?
Bienvenue dans l'Escape aux petits oignons, où sont formés les plus grands experts dans l'art de l'évasion. Nos élèves deviennent des espions, hackers, voleurs et même présidents. Si vous voulez connaître le même succès que... vous allez devoir prouver votre valeur en obtenant 10 badges. Pour ce faire, vous devrez réaliser de grandes prouesses, aussi bien en classe que sur le campus. Si vous réussissez, vous gagnerez notre sceau, ainsi que le droit de vous dire spécialiste de l'évasion. Alors lancez-vous, explorez le campus, rencontrez des professeurs et libérez tout votre potentiel. Que votre aventure académique commence! Welcome to the Academy. Badge d'initié. Ah ouais. Donc 10 badges en tout. Chapitre 1. Premier trimestre. Crève en silence. Ouais, désolé, bro. On dort tout rire. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Ok. C'est sûrement pas comme ça que ça va se compter. Bon, ça sert à rien le dortoir, non? Oh la gueule! Attends, je t'ai juste un truc, mec, deux secondes. C'est toi qui ouvre la porte là? Ah non, c'est quand j'ai passé ma souris dessus. Mon lit, il est plus confortable qu'il en a l'air. Ça marche pas. Normalement, ça s'arrête pas, hein, comme ça. C'est quoi les radios? Le banger. C'est bon, ça marche. Ok. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai rajouté point d'exclamation Z dans mon Wisebot. Ouais. Parce que j'ai vu le tien apparaître dans ton chat, du coup bah, j'ai fait copier-coller et je l'ai mis dans mon Wisebot. Yep. Dortoir, donc ça on s'en fout. Il y a la cour, la salle des experts en évasion et la batteuse. Peut-être la cour déjà, voir. Vas-y, on va dans la cour, mec. Je sais pas ce qu'il y a. T'en calme. T'en calme dans la cour. Oh. Bonjour, madame. Pourquoi t'as pointé sur son téton, mec? Tu crois que je t'ai pas vu? J'en sais rien, mais j'ai pas fait exprès. Ouais, comme par hasard. Allez, à toi. Je suis vraiment contente que vous soyez venu à mon petit goûter, Quenty. Error. Et tu fais Quenty, du coup? Inexact. Vous m'avez fait rouler jusqu'ici. Une bonne tasse de thé me fait toujours du bien. Et vous, qu'est-ce que vous faites du bien? Mon but sera atteint lorsque l'académie fournira des experts en évasion de la plus grande qualité. On est sur la même longueur d'onde, c'est génial. Au secours. Je peux parler de Nours, cette place est prise. Les invités semblent apprécier le goûter. Bon, j'imagine que ça c'est des profs ou autres. C'est énorme de pouvoir mettre la cam de l'autre en stream, hein, quand même. Ouais, c'est fou. La batteuse ou la salle des experts? Moi, je suis un expert, frère. Expert. Il y a des petits soucis, t'avoue. Il y a des petits 30 minutes. 30 minutes, difficulté 3 sur 5. Right. Vas-y. Professeur Flip. Yo les bouffes. Salut tout le monde, moi c'est Philippe, pardon, je veux dire professeur Philippe, je n'arrive toujours pas à le faire. Pourtant, pas Philippe. Oui putain profé, je sais pas pourquoi je dis Philippe. Je suis encore dans Penumbra moi. Thérèse Mars attaque.
Et pardon, je vais dire professeur Slip, je n'arrive toujours pas à m'y faire. Pourtant, je suis prof d'art depuis des années ici. J'allais commencer par un cours de composition basique, mais j'ai une meilleure idée. Le monument de l'évasion. C'est le premier truc que j'ai tagué quand j'étais élève, et ce sera une excellente leçon pour vous. Si vous voulez réussir la classe d'aujourd'hui, vous devez trouver toutes les peintures que j'ai cachées et laisser votre marque sur ce monument. Même si... je ne sais pas trop ce que la directrice en pensera. Vous ferez mieux de vous dépêcher, elle sera bientôt de retour. À un moment donné... À un moment donné... Taguez le monument. Right. Alright, get to the paint. Alright. Mark on the monument. Easy. Allez chercher la peinture et laissez votre marque. C'est grand, hein? Ouais. Ok. Ce casse-tête me fait perdre la boule. On dirait bien que la fontaine est asséchée. Inspecté. Je ne peux pas l'encadrer. Slip. Oh. Il y a plein de cadres là. Oh putain. T'es où? T'es allé là-dedans? Ok. Oh. Oh waouh. Utilise objet. Qu'est-ce qui va sur la table? J'ai pas d'objet. Je suppose que Slip n'est pas réputé pour son sens de l'organisation. Ok. Sésame, ouvre-toi. On dirait bien que je peux mettre un tableau ici. J'ai pas de tableau. Ok, code à 3 chiffres. 0 à 9. Comment bien dessiner? J'ai un tableau. Peinture, Sésame, ouvre-toi, c'est là. Attendez, c'est ma liste de courses. It's not the first time my art's been torn to shreds. Oh non, faut remettre dans l'ordre. Ah, j'ai des bananes peintes. Toutes les peintures ont été déplacées dans mon bureau. Slip. Attention, on prend visible et fraîche. Le coin le plus rangé de la pièce. Un billet de meuf. Professeur Slip s'impose le respect comme nom. Ah mais de ouf, hein, Pilo. De ouf, de ouf. C'est moi qui a réussi? C'est toi qui a réussi? C'est moi? C'est moi. C'est toi. J'ai un code. Ah ouais, quel sens se cache derrière cette nature morte? Attends, on verra après ça. C'est quoi? Attends, c'est haut, bas, machin, bidule ton code? Ouais, c'est droite, gauche, droite, haut, bas, bas. Let's go. I don't even know why we put locks on the doors here. Tu fais voir l'invisible. D'accord. Il n'y a rien de plus effrayant qu'une toile blanche. Scanner. Ah. Oh. 1. 2. C'est un 2, 3, mais. 3. Et à droite encore. Ah. Ah, c'est ça. Ok. Donc 1, c'est le laveau. 2, c'est. La boule. 1, c'est le laveau, 2 c'est la lampe carrée, et 3 c'est la lampe bizarre là. Laveau c'est ça, regarde. Tu retiens? C'est un carré avec le avec pas d'angle à gauche, pas d'angle en bas à droite. Ok. Ensuite attends. Le cube. Attends. Là. Bon, le cube c'est un rond. Et après c'était la serrure. La serrure, c'est 3 boules. Dis-moi. Donc c'est le en haut à gauche. Non. Le rond était plein, non, ou pas? Non, le carré, c'est ça, là. C'est lui, là. C'est ça. Je vois pas ton curseur. Et ça. C'est bon. Ah oui, ok, c'est bon, j'ai compris. C'est un visage et un vase. Aurais-je déjà vu cette illusion quelque part? Oui. Et j'ai une sculpture étrange. Ah non, c'est pas là. Et j'ai refait lui le portrait et cogne, Slip. T'as le texte? T'as lu le texte, ouais. Ok. Quel sens se cache derrière cette nature morte? Ah, mais faut replacer des éléments sur la table. Faut des trucs là-dedans. Moi j'ai pas d'objet. Hein. Moi j'ai une banane. J'ai des bananes peintes. Ah bah je suis con, faut que je les mette là du coup.
Ah si, j'ai une sculpture étrange. Ça va là-dedans? C'est quoi ma sculpture? Elle ressemble à quoi ma sculpture étrange? Attends. Objet. Non, indice. Objet. Non, ça ressemble à rien. C'est un anneau. Derrière cette nature morte. Bon, j'ai regardé derrière déjà. Je te laisse fouiller. Comment bien dessiner banane, fromage, vin. Attendez, c'est ma liste de courses. D'accord. Moi j'ai des bananes peintes en dessin. Hein. En dessin, comment ça? Bananes peintes. Bah faut que tu les mettes là, faut que tu les mettes là, sur la table. Pour refaire la nature morte. Il est derrière le seau. Elles sont derrière le seau. Quelque chose d'autre doit aller aussi sur cette table. À peu près comme ça. Bon, je vais explorer le reste, moi, parce que du coup, on est resté dans la pièce, mais... Je ne peux pas l'atteindre de ce côté. Oh, ouais, je vois pas s'il y a une porte. Qu'est-ce que c'est que ça? Là, il faut... T'as quoi comme objet? Ah, c'est ça mon objet, c'est le nez avec un anneau. Ok. Bon, alors il y a des trucs à faire ici aussi. D'accord, c'est pas tous les mêmes. Oh putain, c'est ça le vase avec les visages, non? Oh ouais, bouge pas de là. S'il te plaît. Devant le truc rouge là. Est-ce que c'est celui-là? Ouais. Non. Les nez, c'est pas ça. Ah. Non. Non. Ça c'est pas mal, mais ça a pas l'air d'être exactement ça. Oh putain! Attends. Je continue. Non. Non. Oh, c'est pas mal ça. Oui, c'est pas mal. Hein. Il y en a plusieurs qui sont pas mal. Il y en a trois de coup depuis le début. Ok. Qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Vas-y, tu peux bouger, t'inquiète pas, c'est bon. Là, je peux foutre mon nez. Ok. Ça marche pas. Oh putain! Oh, le bordel! Il faut que tu refasses la même forme? Ouais, mais faut que je sache lequel c'est. Moi je pense que c'est l'avant-dernier. Hein. Lui là? Ouais. Donc grande bouche. Ah, mais non, mais lui il n'y a pas de sourcils. Non, ça peut pas être lui, il n'y a pas de sourcils. Moi j'ai des sourcils. Lui il a des sourcils. Alors. Ah, c'est lui alors. Ok. Et l'autre c'était lequel? C'était le premier? Ou lui peut-être. Non, lui il a pas de sourcils. Ouais, non. Ah, mais c'est non, lui. Ça se complète! Ça se complète! Les yeux regardent à droite. Les sourcils. Ils sont levés en haut. À droite. Et l'autre. Il a une bonne bouche. Attends, les yeux à droite. Sourcils, comme ça. Hop, et la bouche. Alors comme ça. Let's go. Mec, t'es un génie. I'll never forget the day I finally got a piece in here. Snuck it in myself. Clé numéro 5. Clé numéro 2. EEL Barnes. Plus grand expert en évasion du monde. Ouais, il plaisante pas EL. D'accord. Tiens, mets la clé là. À droite. Ah non, mais on peut pas. Ah ouais, non. Ça va servir à rien. Il y en a plusieurs des portes. Non, ça va. Je récupère ma clé. C'est quoi comme porte? Attends, 5. La clé 5 est là. 5, 5, 10, 7. 5, 10, 7. C'est pas le code de là-bas, ça? Y'avait pas un code à 3 chiffres? Si.
Ah mais c'est dans quel... Ah oh, mais on a pas l'ordre. Ça veut rien dire. 5, 10, 7. Y'a pas 10. Ah oui, c'est vrai. 5, 10, 7. C'est quoi ta clé, toi? La 5. Et moi? 2. La 7? Ouais. J'ai pas 7. Non, mais 5 et 2. Oh ah, putain. Putain, mais t'as fait fac de maths ou quoi, mec? Ouais. Max. Max. Megan. Megan. Belen. Fergus. Oh putain. Ok, c'est gauche ou droite? Faut les mettre gauche ou droite? Ok, les portraits sont là. On s'en va. Vous nous prenez pour qui? Ok, c'est avec le bandeau, c'est à droite. Ok. Gauche. Et gauche. Attends, mais quoi? Oui, c'est ça. Elle, c'est gauche. Oui! Always loved a good secret entrance. Clé 7, clé 4, clé 3. 7, 4, 3? Bah 10. 7, 3? Ouais. Et après, on aura 4 et 6, on aura la 6 ici, je pense. Et là, ça, c'est quoi ça? C'est des tableaux? Tu t'es trompé, t'as mis 4 et 3. Bah, c'est ça? Non, c'est 7 et ah 3. Ah non, c'est la. Ah oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a une meuf qui porte une tête. Il y a une meuf qui est décapitée. Il y a un mec qui est décapité. Et un mec qui va bien. Oh putain. Ça fait quoi? Ça c'est décapité. Ah, c'est décapité ou pas décapité? Le mec basique, il est décapité, mais pas la meuf avec bandeau. C'est toi le mec basique? Bandeau, non. Grand chapeau, décapité. Le chauve, il est pas décapité. L'autre avec sa queue, il est décapité? Ouais, oui, c'est vrai. Let's go, mec. On est chaud. T'as eu quoi? Ah bah 4-1, parfait, let's go. Oh le speedrun! Bon là c'est quoi les merdes là? Ah c'est en l'air ou pas en l'air? Ah tu peux les changer. Oh. Ok, y'a un ordre. Faut les changer. Y'a un ordre? C'est les tailles. C'est les tailles. Quoi, c'est du plus au plus grand? Ouais, plus petit au plus grand, je pense. Le plus grand, ça a l'air d'être le cum avec un chapeau de cowboy. Ok. Parce qu'il est au-dessus de la palissade. Ouais. Du coup, ensuite, lui, il est en dessous de la palissade. Ensuite, c'est Monsieur Moustache, lui là. Après Monsieur Moustache. Alors c'est toi ou lui? La plus petite c'est lui je pense. C'est la meuf la plus petite. Ouais. La meuf avec des lunettes. Lui là. Il est, ouais. Il est au niveau de la flamme. Et il est plus grand qu'elle, cheveux longs. Ouais bah c'est bon. Et du coup, Madame Lunette. Ah non, c'est Madame Lunette. Madame Lunette, elle est en dessous de Monsieur Barbu. Il y en a deux des femmes à lunettes. Let's go. Ah. C'est trop facile. Attends. C'est easy. Je peux vraiment taguer ce monument? Ah, j'ai rien pour taguer. J'ai un fromage peint.
putain, mais on n'a pas la peinture. Ok, je me disais, c'est chelou quand même, ça va vite. Ok, donc faut bien qu'on finisse les autres énigmes de l'autre côté, putain. Je sais même pas comment j'ai eu un fromage. Faut que t'ailles poser avec la banane. Oui, oui. J'y vais. Il est où le frometon? Derrière. Il est sur une assiette, entre le seau et la banane. Il nous manque une bouteille, mec. Hein. Une bouteille de vin dans le seau. Il y a toujours le code à 3 chiffres. Et toujours ça là aussi. Attention, encre invisible. Ah putain, mais on a rien pour. On n'atteint pas de truc UV? Non. Ah, y a un truc là de l'autre côté. Je sais pas ce que c'est. Faut qu'on trouve un truc pour lire ça. Là, le vin! Hop là, vin pas. Oh, bien joué. Creating art's no picnic. D'accord. Et après? La peinture, elle fait quelque chose ou pas? Ah oui! 1, 3, 9. 1, 3, 9. Merde. Encre anti-invisible. Oh, let's go. Oh putain. Au secours. À l'aide. Ah, vas-y, je fais le deuxième. Comment ça? Bah, fais le premier en haut. Le jaune? Et moi je fais le deuxième. Ah. C'est rouge. Et moi c'est bleu du coup. Je fais le 3. Jaune. T'as fait le dernier? Non. Oh, il part en deux. Je prends celui d'en dessous. Ouais, mais le 2, il part en deux aussi. Ah. Donc c'est jaune ou... Là, c'est bleu, à la fin. Bleu? Ouais. Et donc là, c'est rouge. Le 2, du coup, ce serait rouge. Ce serait bleu ou... C'est rouge ou bleu? Donc c'est pas rouge. Donc en bas, non, peut-être. Non. Oh, putain, mec, c'est bon, j'ai trouvé. Le deuxième. Rouge ou bleu, ça fait violet, mec. Oh, bien joué. Et l'autre, c'était quoi? Rouge ou jaune? C'est orange. Orange. Oh, j'ai ton boule de roi. Ah, c'était vert. Non, c'était bleu et jaune. Ah, c'était bleu et jaune, vert. Ok. Good job. Ouvrir. Blessure baisse de 30%. Donnez-moi de la peinture. Là. Putain. Ah, peinture en spray. Oh, let's go. Vas-y, va tag. Travaille dur, soyez gentil. T'inquiète pas, c'est toujours dur. Alright. Les immortels de l'évasion. Ok. Ah mais il faut que je choisisse qui je tag, non? Ah non. Let's go! Oh mec, on a speedrun, hein. Ouais. A plus, bah ouais. Des lignes impeccables et le tout à main levée par-dessus le marché. Génial. Insane, mec. Bien joué, mec, hein. Ouais, on est bon.
lot of work ahead of you to earn that mark. C'est bon ça. Très bien, vous avez réussi. Je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire, mais c'est classe. Le monument a bien meilleure allure maintenant, si vous voulez mon avis. Mais juste au cas où la directrice ne serait pas du même avis, on ferait mieux de partir d'ici. Hein. A plus. Oh! Ah, on garde des marques des trucs qu'on fait. Notre dortoir il va. Mais. Mais! Connard! Ah, contente de vous voir. Vous avez un peu de peinture sur votre col. Ce serait dommage que quelqu'un le remarque. J'aimerais vous présenter quelqu'un. Voici Gillian Paisley. Une autre élève talentueuse de première année avec qui vous avez beaucoup de choses en commun, je crois. Enchanté! Même si je suis pas vraiment sûr qu'on ait beaucoup de choses en commun. Je me suis préparé à l'évasion toute ma vie. Et j'ai déjà 4 badges. Oh là là, oh la Hermione grandeur de ses morts. Oh, tu en as 2. C'est pas si mal, je suppose. Vous voyez, vous lierez d'amitié en un rien de temps. Je vous laisse faire connaissance. Je peux donner un petit conseil. Mieux vaut ne pas trop en faire. La première place de l'académie est déjà prise. Insupportable ce gosse. Ah vraiment. Batteuse. La batteuse. Oh putain. Sous-préfirme. Oh, hey. Combien de temps? Inconnu. Ah. Voilà. Content de voir que vous prenez vos repères. Je suis en plein milieu d'un boulot de maintenance. C'est une salle spéciale conçue par le défunt Hellbart, le plus grand expert en évasion ayant arpenté ses couloirs. C'est uniquement réservé aux élèves les plus avancés de l'académie. On ne l'appelle pas la batteuse pour rien. Il faut que j'aille à la salle d'observation pour prendre plus de Chatterton. Vous pourriez jeter un coup d'œil à l'évacuation d'eau pendant mon absence. J'ai désactivé la salle alors il ne devrait pas y avoir de problème. Je reviens tout de suite. On a de l'eau. On a de l'eau, frère. Trop cool. Ah, j'ai un canard de bain pour toi, mec, qui vibre. C'est Hitman. La gazette de l'évasion. Le tueur à la serrure est un vrai casse-tête pour la police. Pas de truc qui brille dans le noir. Ok, la clé, c'est en dessous du couloir. Ok, la petite clé. Une clé, moi. C'est une petite clé. Bah, viens. Là. Oh putain. Ah oui, l'eau monte. C'est ça que t'es en train de me dire? Ouais. C'est ça, mais. Attends, y'a un truc là. Ouvrir. Utilise objet. Oui, c'est ce que je t'ai dit. Ah. J'ai mis rouge. Parfait. T'as enlevé l'eau. Non, non, t'as pas enlevé l'eau. Main. Ah. Sécateur. Marteau. Tournevis. Faut enlever un truc là. Là. Le cœur là, machin là. Ça, faut l'enlever. Je peux prendre des trucs moi? C'était où? Ok, j'ai enlevé le cœur. On a peur de l'eau. C'était où? De quoi? Ce que t'as eu? C'était c'était où? Je sais plus. Là, là-dedans. Non, je sais plus. Là, ici, là, dans le coin, là. Là où t'es. Oh, j'ai rien, moi. Bon, ah non, qu'est-ce qu'il faut faire? D'accord. Ça, c'est... On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 étages, 5 ou 6. Attends. C'est quoi, ça? Le courant est coupé. Faut que tu mettes le courant. 4 lettres. Oh. Un mot en 4 lettres. O. Non, ça fait 3 O. Père. Non, mais. Ah, mais oui, en plus, c'est ça qui était planqué. C'est ça qui était caché. Let's go. GG. Ok, don't panic. Take it one forward. Oh, ça y est, j'ai eu les outils. Sécateur, marteau, tournevis. Le bleu est plus gros que le jaune, mais plus petit que le rouge. Le jaune est impair. Bleu plus gros que jaune, mais plus petit que rouge. C'est les trappes? Oh, c'est nous.
Où est la caméra? Là. Bonjour! Ah ok, d'accord. Donc... Oh là, mais putain, on... c'est déjà là l'eau là? Ouh là, le mais jaune c'est... est impair. Aucune valve ne doit être réglée sur 5. Et le rouge est le double de le j'ai jaune. J'ai une poignée de valve bleue. J'ai utilisé le sécateur. Ok. C'est quoi? Aucune femme ne doit être réglée sur bleu plus 5. Gros que jaune, mais plus petit que rouge. Rouge donc rouge plus gros. C'est deux. Jaune impair. 3. Hein? Et le jaune c'est le rouge c'est quoi? Le rouge double, du, double jaune. Du jaune. Ça veut dire qu'assiste. Hein. Donc c'est 3. Donc pas de 5. Donc 6. 4 et 6. Let's go. Bien joué mec. Toi-même. Une clé. Ok. Tu l'as vu le truc de la clé? Non. Ah là. Caméra portable. Faut que je redescende. T'as pas un code? Non. Sur la caméra. Signal. Oh. Oh attends. Ah oui, c'est pour filmer. Ça fait un truc? Non. Bah tu peux la remonter, je pense. Elle a filmé. Y a rien? Ah mais on voit rien. Ouais, mais... Vous? Ah si. VOUS. Let's go. Bien joué mec. Don't mind the stuff everywhere. Oula. I'm in between apartments right now. J'ai une feuille acrylique. Moi aussi j'ai une feuille acrylique. J'ai pu ouvrir et fermer des chiottes. Oh y'a un truc là. Mode d'emploi. MK1, MK2, MK3, MK4. Oh là là. Manuel du coffre-fort. Y'a un coffre-fort? Ouais y'a un coffre-fort ouais. Tiens attends, t'es MK5. Où MK5. MK5. Tiens, je te donne mon truc acrylique. Là. J'en ai des acryliques, j'en ai. Ouais mais du coup je vais faire ça en même temps. Ah tu crois que c'est là? Objet. Épinglé. MK5. Ah, t'as pas le 5. Y'a un truc derrière le carré là? Non, MK5 c'est tout. Comment ça je sais? Rond, carré, croix. Carré, rond. Ah mais ça avance à chaque fois. Ok. Attends, j'ai donc un là code. C'est... T'as pas un code à 3 chiffres? Attends. Là c'est rond. Rond. Carré. Je tourne. Carré. Let's go. J'ai une poignée d'interrupteur. Ok, il me faut le code pour le disjoncteur. Non, j'ai pas. Dépinglé. C'est avec la feuille acrylique. Mais je sais pas comment les placer du coup. J'ai une poignée à foutre quelque part. Là. Oh putain, bah c'est le code à 3 chiffres. J'espère ne pas ramer longtemps. Ah mais je peux pas savoir moi. Ah ça fait des numéros. Mais oui ça fait des numéros mais je peux pas savoir lequel est lequel. T'as quoi comme feuille? Là c'est un 8, un 2 ou un 5 ça. Ouais. Non parce que je peux en utiliser qu'une. Donc c'est 5. Forcément un 5. Là. Ah il me manque des feuilles. 0. C'est quoi la dernière feuille que t'as? Okay, je crois que j'ai pas 5, 0. Ah c'est 1, c'est la barre en dessous non? Ah possible. Ah c'est ça, viens mettre ta poignée. Ouais je vais te la mettre ma poignée. Ça y est. Oh Reno. Ou Ran R-E-N-D. Pardon, oh le PQ qui est rallume le courant, rallume le courant s'il te plaît. On est trop chaud. Keep it together, Jim. Respectez profondeur de l'eau. C'est fermé et bien vissé.
sur sous. Il faut brancher quelque chose. Poids de l'eau. Je dévisse tout, moi. Température de l'eau. Sur sous. Il y a des trucs là. Qualité de l'eau. Ramasser. Appareil étrange. J'ai eu deux appareils étranges. Faut que tu les branches. Mais je les branche où? Oh, le texte qu'il y a là. C'est quoi les appareils? Je sais pas, mec. Non, pas d'indice. Objet. Appareil étrange. C'est ça. Ah, on voit pas ce que c'est. Mais il y a des lettres là. Il y a pas un truc à décrypter? Là. Qualité. Oh putain, tiens, c'est pour toi, je le laisse en grand. F B H F S O U sous S sous C E R sous l'océan P R E R E S S sous pression. Sous pression. Température. Faut que tu branches ton appareil ici. Viens. Humidité. C'est sur pression ou sous pression, mec? Pression, sous pression, c'est là. Ok, bah c'est ça, pardon, excuse-moi, je suis un connard. Bah non. Us. Us. Si. Et l'autre, c'est quoi? Attends, je te redonne mon truc. Si. S. U. R. P. O. Supro. Supoids. Surpoids. Surpoids. Poids. Poids, poids. Là. Sur. T'as par contre, il te reste plus un appareil étrange. Plus. 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 Le courant, s'il te plaît. Je sais pas où c'est. Ah non, c'est bon, c'est bon. Let's go. Let's go, si. C'est incroyable, mec. C'est trop facile. Faire tourner. Ah, ok, bon. On fait tourner comme ça. Fragile, hein. On est au dernier ou à l'avant-dernier? Oh. Vieille carte. J'ai mis l'électricité. Oh, loup. Tu veux pas me dire que c'est ça direct? Film. Non, il y a plusieurs, il y a plusieurs. Ah. Non, là. Roi. Bois. Film. Attends, mais il nous manque un truc là. Il y a un truc qui va pas, il y a trop de mots. Pourquoi il y a des trucs jaunes aux angles là? Il y a des trucs jaunes des fois. Là. Là. Ouais. Là. Mais c'est les lettres qu'on doit prendre. Ouais, mais les prendre de... comment on sait? En fait, il faut qu'on fasse passer l'électricité là où il y a les trucs jaunes. Ah. Et suivant où est le truc jaune, c'est la lettre. Ouais, mais comment? Comment... Bah si elle est en haut à gauche, en bas à droite, en haut en bas... Oui, regarde. Mais on... L'ordre, bah c'est l'ordre par rapport au courant. Tu crois? Le courant, ça va faire... Donc M... Là, y a pas de jaune, donc M. Là, ça sert à rien d'y aller. Ah, on est obligé. Ah voilà, bien joué. Ok. Il y a un O, un M, un O. Un M, O. R. Faut que le courant soit continu, hein. M, O, R. M, O, R, D. Mort. Morde. Dorme. Oh merde. Attends. T'as ramassé un truc, toi, depuis le début? Un marteau, un tournevis. Et ça. Ah, ah. C'est peut-être... Oh putain, c'est pas là où il y a le truc jaune. Vas-y. En bas à droite, c'est 1, c'est F. Ensuite. En haut à droite, 4, T.
Mais c'est le dernier. 2. Il faut en haut à gauche. D. O. F. O. C'est ça? J'ai pas l'ordre que tu m'as donné là. Hein. F. Je comprends pas. O. R. 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 T. Fort. Ouais, F-O-R-T. Fort. F-O-R-T. Let's go, mec. Incroyable. The message. What message? I wasn't paying attention. Hein? Morale. Quelle est la morale de cette histoire? La joie. Peur, la vie, la haine. Ah, c'était dans l'ordre. Et le vous croit. Quoi? La vie veut vous. Ah! Non. Rang, c'est la peur, c'est tous les codes. Tous les mots. La peur. Vous. Vous. Rang. Plus fort. Oh. Non, pas plus les, putain, enculé. Fort. Là. Oh putain. Oh putain. Oh. La peur vous rend plus les. Oh merde. Oh l'enfer. Ah putain, mec. Bon, ça va, ok. C'est... Pour l'instant, ils ok. A plus. Petite pause de minute, mec, juste 2 secondes. Ouais, ouais. Vous n'avez même pas taché vos vêtements, la doyenne ne va pas en revenir. Easy. Trop fort, mec. Fallait dire que c'était pour les enfants de CM2, ça. Hein. C'est pour toi que ça peut le faire, mec. Hein. J'arrive, hein. Put. Bon, après, on est au début, hein. Pour ça, on se la raconte un peu. Incroyable. Bon, c'est cool en tout cas. C'est dynamique, c'est fluide. Ça marche bien. Ça marche bien. Nos cerveaux concordent avec Quirt. Tout se passe. Tout se passe. Oh là là, il me fait plaisir en plus. Quirt qui vient de level up, niveau 69. Ah, let's go. Le boss. Faut plus jamais qu'il vienne sur mon stream. Je veux qu'il reste niveau 69 à vie. Bon, ça fonctionne bien en tout cas, c'est cool, le jeu est bien. Le jeu est bien. Comment on dit 69 en Jap? Oh, qu'est-ce qu'il va me dire? Parce que là, vous voyez pas, mais il est en train de parler sur mon chat. Qui est ce qui? Qui est ce qui? Sachant que normalement, le U se prononce jamais. Donc ça fait qui? Bizarre. C'est comme on dit pas Sasuke. On dit Sasuke. Et le frigo, là où ça caille. Putain. Remec. Remec. Bon sang, vous avez réussi, j'ai eu peur de devoir. Oh merde, j'ai pas eu le temps d'appuyer. Qui aurait pu imaginer qu'un peu d'eau puisse créer quelque chose d'aussi stressant. Je suppose qu'il est important de rester bien concentré dans des scénarios de stress intense. Et je ne viendrai pas vous apprendre quelque chose là. Je pourrais devenir prof. Professeur Jefferson. Ça sonne pas mal, non? Ça marche, frérot. Let's go! Ah mais ouais, on décore vraiment notre chambre à chaque fois. Oh.
Donc on retourne dans le bureau de la doyenne. L'évasion, 25 minutes. Difficulté 3 sur 5. Ah, y aurait des bros. Attends, donne-moi une minute un peu que je fume un peu. Fume, fume, fume. Roule-toi une clope, ne casse pas les couilles. Ça y est, je suis déjà en train de fumer. Casse pas les couilles. Quoi, je suis aigri. Qu'est-ce que t'écris sur ton PC là? T'aimerais savoir. Hein. T'aimerais savoir. J'attends toujours une réponse de God d'ailleurs. Parce que je lui ai envoyé une deuxième prise. Il est au courant? Ah putain. J'en peux plus. J'en peux plus. Ouais, elle était bien, elle était bien. Elle était nulle à chier. Tu l'as même pas écouté là précédemment, voix 2 toi. Ah non, je savais pas que t'avais envoyé. Je vous cherchais partout. Voici le professeur Conti, un super ordinateur que j'ai moi-même créé. Il vient de découvrir quelque chose d'incroyable. Salutations. Mes scanners ont découvert quelque chose d'impossible. Et elle, Barnes, est en vie. Et elle est retenue prisonnière dans un bateau prison de haute sécurité commandé par un groupe de scientifiques spécialistes dans l'anti-évasion. De l'anti-évasion. Oh, c'est satané scientifique. Nous avons peu de temps pour organiser son sauvetage. Je maintiendrai les communications avec la directrice, mais quelqu'un devra la guider. Je sais que c'est beaucoup demandé, mais j'aimerais que vous soyez ma seconde paire d'yeux à l'académie. Heureusement que c'est des perdus. Oui. J'ai besoin de quelqu'un pour s'occuper de tout ça durant mon absence. Et elle est mon plus vieil ami. Il m'a sauvé plus de fois que je ne pourrais le compter. Et maintenant, c'est à nous de le sauver. Sauver elle. Et elle. Oh non, mais putain, c'est quoi ce bureau, frère? C'est... On est à l'armée! Balise, inspectée. Le bateau a d'abord été repéré par ici. Ah, bien, oui, sur le bateau prison, tous les systèmes sont opérationnels. D'accord. Frère, je sais pas où c'est ça, mais... Oh, le bordel de la carte. Je sais même pas où c'est, frère. Ça compte le temps de la mission, je ferais mieux de me dépêcher. D'accord, on a 25 minutes. Tonnes et des tonnes de machins, ok. C'est quoi tout ça, là? Répondez. Comment on répond? Là? Comme ça? J'ai des codes à mettre. Oh frère, t'as des codes à mettre? Ouais, c'était nous de l'opérateur radio, affirmatif, 10-4. Je veux dire oui, on t'entend. 10-4. Copy that, I'm headed inside now. Alright. Let's bring Eel home! Ok, c'est parti. I am maintaining the audiovisual feed. You should get back to work. You should get back to work. I'm in. Doesn't seem to be a security presence, but... Pas l'air d'y avoir beaucoup de gardes, mais... I've got a turret on me. Il y a une tourelle qui me vise. I think I can override it. Je crois que je peux la pirater. J'ai juste besoin d'un numéro de série. Mais comment tu veux que je sache le numéro de série? C'est quoi ça? Tu peux tourner, mec. Il y a tellement de pages, mec, c'est le bordel. Voilà. Et elle est où, elle? Elle est au pont supérieur? Numéro de série. T'as un truc? Il faut qu'on lui donne le numéro de série de la caméra. Enfin, de la tourelle électrique. Hein? T plus et 4 bouteilles. Ah bah oui, t'as un truc, toi. T plus 3. 3? Non. T plus 3? Ah si, 3. 3? 3 et 4? 4? 3, 4? Et 4, 20. Academy, I'm taking fire! 3, 4. That wasn't the serial number. C'est pas ça. C'est pas 3-4. Essaye 3-4-20. 3-4-20. Ah, 20, le 20. That wasn't the serial number. C'est pas ça. 3-24. That wasn't the serial number. Come on, I know you can find it. Non mais si, mais c'est forcément là en plus.
Là, les numéros de série. T, roi. Mais si, c'est 3, c'est sûr, ça. T plus roi, 3. Oui. 4, 20. Ah non, mec, après, non, c'est un jeu anglais, hein. On sait pas si c'est 20. Mec, ah, c'est t'es un jeu anglais, ça. Non, mais t'es king. King. Non, donc c'est pas ça. Non, mais à mon avis, ils ont franchisé le truc et c'est tes rois, donc 3. Tu penses qu'ils ont mis un autre dessin? Ouais, je pense. 4. Pourquoi 20? Bah, c'est du 20. 3, 4, 20. 80, 3, 80. Putain. Oh putain. 3-80. Ah, c'était 3,80. Incroyable. Ok, je vais juste. Je vais devoir accéder à un computer terminal pour localiser EO. Est-ce qu'il y a un computer terminal sur le premier stack? Est-ce qu'il y a un ordinateur sur le pont principal? Oui. C'est là, là. Le pont principal. Il n'y a pas de pont principal. Mais on est dessus sur le pont principal là, non? On est où là? On est dans son bureau. Sur le pont supérieur, Edmond? Est-ce qu'il est sur le pont principal? L'ordinateur est verrouillé sur les bateaux prisons, tous les systèmes sont opérationnels. Pont 2. Non, c'est le 2, c'est pas le principal. Bah dis-lui non. Mais comment je dis non? T'as des petites feuilles là. Et t'as les trucs affirmatifs et tout ça. 10-10. Fausse toilette, on peut mettre. Mets-lui 10-100. C'est où le code? À côté. Là. Ah. I'm looking for that computer terminal. Is it on the first deck? 10-10. Okay, so which deck is the computer terminal on? Le 2. Le 2. Je vérifie. Ouais, 2. Pont 2. Ah, mais je peux. On peut pas mettre 2. Elle a dit quoi là? Elle a dit sur quel pont il est? Oui. En attente. I am maintaining the audio visual feed. Okay, so which deck is the computer terminal on? Okay, so which deck is the computer terminal on? Comment tu lui dis 2? Bah, mets-lui 2. Ok, so which deck is the computer terminal on? Je sais pas. Putain, ouais. C'était ça. There now. Good work, Academy. The ship is on the move. I require its new coordinates to maintain our connection. Oh putain. Bah, il est où? Quoi? I am maintaining the audiovisual feed. Il dit le bateau a bougé, j'ai besoin de ses coordonnées. Ah! Signal perdu. Inspecter. Où est le bateau? Le bateau ne se trouve pas à cet emplacement. Quelle heure il est? C'est marqué, il y a l'heure dans l'horloge. En bas à droite. Il est en B3. Je sais pas où on est. Là? Non. Non, non, c'est plus à droite, mec. Parce que là t'as la... Voilà. Ah non, c'est là. Non. Là. Là. Non. Voilà, alors essaye là. Non. Updated coordinates needed for connection. Là, c'est sur la ligne. C'était là. C'était T plus 6. Academy, did I lose you? Ah oui, c'est là. C'est là, mec. C'est cette horloge-là. Ah, ok.
Ok, bon, on a retrouvé. Elle veut quoi? J'ai pas entendu. Répétez. J'ai pas entendu. 10-9. Ou en attente, tu mets. Ouais, c'est pareil. Academy, did I lose you? Bah oui. 10-4. I'm accessing the terminal. Give me a moment. There is a lot of information here. I'm faxing it over. Je vous faxe tout ça. On a un fax? Ah oui, il est là-bas, il est là. Hop. That data should give us EO cell number. Le numéro de la cellule de machin, contactez-moi quand vous l'aurez trouvé. Quoi? Attention, ne pas maintenir le sujet au même niveau qu'un compacteur de déchets. Prisonnier L. Barnes. Données sur la prison. Il n'y a plus de dessert. Il n'y a plus de coupe de dessert à la cafétéria. Cellule 3. Ah. Ok. Un étage possédant un nombre de paires. Attends. Le sujet doit être maintenu à un étage possédant un nombre pair de cellules dans la cellule numéro 3. Quoi? Nombre pair de cellules? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais. Ça là, ça concordonne. De cellules dans la cellule 3. Mais c'est quoi le truc des poubelles là? Tu m'as lu un truc tout à l'heure. Attends. Maintenir le sujet au même niveau qu'un compacteur de déchets. D'accord. Bah y'en a pas. Bah change alors. Ah, si, ne pas maintenir, c'est marqué. Ah pardon. Ok. Celle du courrier et la cafétéria. Ah, y a pas de salle du courrier ni de cafette là. Non. Si c'était là. Poubelle, non. Cafette. Donc cafette, courrier. Non, tu l'as passé tout à l'heure, mec, je crois. Ah, courrier. Courrier. Et c'est pas au même étage que de la poubelle, donc c'est pas le 6. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est pas là. 2, 4, 6, 8, 10. Non, 9, c'est pas là. Oh non. Non. Je sais pas compter. 2, 4, 6, Academy, 8, I need 9. That cell number. 2. Ah là, c'est marqué, c'est 8. Ah bah, c'est bon alors, 8. Oui, je sais juste pas compter. C'est 5. 503. La cellule? Ouais. Un nombre pair de cellules, 503. Je sais pas. Je suis pas sûr, enfin on va voir. That's it. T'es trop fort, mec. Bon, toi aussi t'es trop fort, mec. Elle, c'est vraiment vous? Sandy. Et vous en avez mis du temps. Oh, ne commencez pas avec ça. Barnes. Allez, on va vous faire sortir d'ici. J'espère que vous avez prévu la grosse artillerie. Ça fait des années que j'essaie de sortir de cette satanée cellule. J'ai bien mieux que ça. One. Engage protocol only. Engaged. Quoi? Je peux pas bouger? Ah. Oh le bordel. Clé de la cellule d'elle. Quickly. I can generate a key, but only if you analyze the lock. Panneau vierge. Hein? Panneau vierge. Clé de préférence A, clé de préférence B. Clé de préférence C et D. C'est scellé avec un électro-aimant. T'as quoi là? T'as des clés de référence? Ça c'est quoi ça? Il n'y a pas de données sur la cellule. Ça ressemble à ça ton truc ou pas? Ah oui, ça ressemble à ça. Ok. Non, c'est pas. On connaît pas la clé de référence. C'est
installer celui avec un électro-aimant. T'as un objet, un aimant ou quoi? Non. Mais on sait pas la clé de référence. Attends, on va la trouver, mec. Un panneau vierge, étrange. Ah! Blanc, rouge, bleu, blanc, rouge. Blanc, rouge, bleu, blanc, rouge. Non, c'est pas ça. Rouge, blanc. Ah, mais t'as en dessous, eh. Jaune. On peut pas les changer, ça. Bleu, rouge. Blanc, jaune, bleu, rouge, blanc. Il n'y a pas de jaune. Je veux savoir ce que cette clé ressemble. Hurry it up! The scientists will be back any minute! Bleu, rouge, rouge. Blanc, jaune. Attends. Ah non, c'est pas bon. Je comprends rien. Faut que je reproduise un schéma en fait. Ah, mais je peux pas. Ça aurait été fou. Ça aurait été dingue. Masterclass. T'as pas d'objet, mec? Non. Non, non, j'ai rien du tout, mec. J'ai juste les données. Attends, mais c'est blanc. Blanc, rouge, bleu, blanc, rouge. Si on met le blanc en premier, le blanc, il fait 3. I need to know what that key looks like. 3, 2. Hurry it up. The scientists will be back any minute. Et nous, ça commence à 3 ou pas? 3, 2, ensuite. Essaie de mettre rouge, bleu, blanc, rouge. Rouge, bleu, blanc, rouge, comment tu veux que je mette ça? À la fin, blanc, et là, le 2, tu cherches un rouge. Cherche un rouge en 2. Ah. Tu l'avais. Ouais, non, mais je vois s'il n'y en a pas un autre. Ouais, c'est bon. Ah oui. D. Hein? C'est le même, hein. D. Ah, qu'est-ce que je dis, D, putain. 3 et 5. Pourquoi 3? Bah, il est sur le 3. Non? Je sais pas, mec. Parce que là, regarde, moi je suis en train de faire la deuxième colonne. Ouais. Et ton deuxième rouge, il est au 3. Ok. Oui, bon. Il finit au 3. Oui, oui, c'est ça. Parce que mon premier, c'était blanc. Et blanc, c'est 2. Du coup, okay. Je l'ai mis à 2. D'accord. Donc rouge. En 3, c'est quoi? En 3ème? C'est bleu, blanc, rouge. Trois encore? Bleu. Blanc. En 4. 4. Et rouge. 3. Ah bah j'y étais. Non, c'est pas ça. Yeah, j'ai Attends, blanc. Attends. Inversons. Blanc, rouge, bleu, blanc, rouge. Inversons les cerveaux. Blanc, jaune, bleu. Il y a que lui qui commence blanc. En blanc. Il y a que lui. Donc c'est 3. Ah non, mais juste. Attends. 3. I need to know what that key looks like. Hurry it up! The scientists will be back any minute. Est-ce que c'est pas là où il y a les boules justement? Moi je pense que c'est là où il y a les boules, mec. Regarde, il y a un bleu, un jaune, il y a deux blancs, comme sur le truc. Donc c'est 3. Trois aussi. Attends. Et c'est ça. Là il y a pas de point et là il y a pas de point. Et là il y a un point donc c'est 3. Donc c'est 3 3. C'est quoi les couleurs après? Bleu. 2. Ah c'est 2 ou 3.
I need to know what that key looks like. Hurry it up! The scientists will be back any minute. Cela c'est dur parce qu'il faut changer de logique et essayer de retrouver autre chose. Faut purger le cerveau. Pour moi. Parce que j'étais persuadé que c'était ça. Ok, autre logique. Les couleurs, elles font tout le temps le même mouvement. Le jaune, il fait tout le temps pouk pouk pouk. Là, pareil. Pouk pouk ouais. Pouk. Deuxième jaune, pouk pouk pouk. Et bleu, c'est pareil. Le bleu, par exemple, il descend de 2. Et quand on en prend un autre, ça descend de 2 aussi. Donc ça se trouve, c'est ça. C'est les mouvements qu'il faut suivre. Donc blanc en premier, ça descend de 1. Donc on irait à 2. Ah mais ça descend de 1 et ça redescend de 1 après. Ou on en compte juste un seul. Non, je pense qu'il faut... Ouais, je pense... En fait, on s'en fout. Oui, c'est que... En fait, tu vois, ça fait tout le temps la même chose. Donc blanc, ça descend de 1. Rouge, ça monte de 2. Attends, mais comment ça, blanc, ça descend de 1? Blanc, c'est le premier, mec. Ouais, mais du coup, au lieu d'aller... Vu qu'on commence à 3, tu mets-le à 2. Mets à 2. Rouge, du coup, l'autre, tu le mets à 4. Ensuite c'est bleu, après tu redescends de, tu remets à 2, le 3, le blanc, tu descends à 1, et rouge, tu remontes de 2, 3, vas-y teste ça. Oh let's go putain, t'as compris ou pas? J'ai compris. Nickel. 24-213. Vas-y mets lui, je viens de détruire mon cerveau. Ah bien joué mec. Oh, putain. Oh, j'étais tellement sûr d'avoir la bonne dès le début. Ah, ça aurait été trop facile, mec. Oui. Celle-ci était hardcore, hein. C'est la plus dure qu'on ait eu depuis le début. Ah. Oh là là. Oh putain. Oh putain, qu'est-ce qui se passe? Oh la vache. J'ai des lampes. Lampes UV, mec. Ici. Où je suis. Objet. Non, ta gueule. Voir. Ah, d'accord. A ou L. Ah, S. N'utilisez pas S. Ah, choisissez A ou L. Utilisez R et H. Faut que tu mettes R et H. R et H. A ou L. Ouais bah j'ai mis L. N'utilisez pas S. Et c'est bon. Attends, R et H, A ou L. Donc là il y a c'est L. T'as le L. Le H. Ah, utilisez G et C. Ah bah c'est pas L alors. G. Donc faut que je mette sur A. H, y'a rien. Ah si, utilisez R et H. Ah, c'est bon. Charge. Ah, c'était marqué charge. Reconnecting. No sending. The turrets will tear you to shreds. There's no other. Wait. The academy. We're back. We're back. We're back to the top deck, but we're pinned. We can't get to the helicopter. We gotta do something here, Sandy. Pont supérieur, il y a la carte. Hurry, Headmaster! I'm taking fire! Il y a plus de carte. Academy, we need to take out these turrets. Numéro de série. 4E, 4. 4E, 4E. 4E. 7. 4E. 7. Oui, bah c'est 4, 7. Test.
4, 7. Mais pourquoi c'est une personne? Pourquoi c'est pas juste le chiffre 7? 4 gens 7. 4 personnes 7. 17. 4, 17! Il 17! Ah! Putain! Bon. Il y a eu la petite musique, donc je pense que oui. Ça a rien fait? Il y en a peut-être non. D'autres, non? Tu vas le pirater. Ah! Vas-y, défonce-les! Vas-y, mec! Filez tous! Let's go! Let's go! Oh putain, et je crois qu'il nous restait pas beaucoup de temps hein, là. Ah. Il nous restait 3 minutes, je crois. Hein. Ah! Ouais, c'est le plus dur qu'on ait fait celui-ci. Mm. Allez, 22 minutes 51. Oh putain, la vache! Incroyable. Attends, 52 secondes. 3 minutes 19. 3 minutes 19 pour trouver 80. 3,80. Non, 3,80. Ça, c'était minutes. Le pif. Ah, c'est résolu. Ah, c'est. C'est le temps total ou c'est le temps de l'énigme? Non, c'est le temps de l'énigme. 7 minutes pour trouver ça. Ah non, c'est le temps de l'énigme au total, ok. 8. Ok. Oh putain, mec, on a mis 10 minutes. On a mis plus. Ouais, on a mis 10 minutes à faire ça. 10 minutes. Et c'était dur, hein. J'ai ouais. Mis du temps à comprendre que c'était les mêmes mouvements tout le temps là. Excellent. Back at the Academy. Ok, let's go. Le badge d'extraction. Si je rêvais. Si super. Pardon, pourquoi je dis si je rêvais? Dans notre monde. Je rêvais de pouvoir faire ça depuis le jour de ma capture. Saleté d'anti-évasion. J'avais presque oublié ce que ça faisait d'être sur le terrain. Mon cœur bat la chamade. Mais on a réussi. Un beau retour parmi nous, l'ami. J'ai du mal à croire que je sois là. Il y avait des jours où je pensais que je n'allais jamais revoir le monde extérieur. Du coup, je me poignais en pensant à l'académie. Hey, je... Waouh. Si j'avais su, je serais venu plus tôt. Elle. J'aurais voulu vous sortir de là bien plus tôt. Quel jeu d'acteur. Merci Orimila, putain ça fait plaisir que tu passes. Comment tu vas? Qui ça? Orimila. Bienvenue, bonjour. Merci d'être là. C'est à moi de parler, je crois. Vous ne pouvez pas le savoir. Mais c'est le passé. Tout ce qui compte, c'est vous, c'est moi. Et... des papouilles. Surtout des papouilles. Mais je n'étais pas toute seule, vous saviez. J'ai demandé l'aide de deux de nos étoiles montantes. Sans ça, nous n'aurions jamais pu sortir de là en vie. Ormila, pardon. Ormila, excuse-moi, Ormila. Désolé, désolé. Il s'est insulté par ce qu'il... Bon sang. Même le nom des follows, là, il fallait prononcer. Frère, faut que... Mais je crois qu'il faut que j'aille chez l'ophtalmo, hein. J'arrive plus à lire, hein. C'est un truc de ouf, je vois flou. Hein. Oui, oui. Bon, bon sang. Vous devrez vraiment avoir besoin de bits de points en plus. Hein? Bon, j'ai eu suffisamment d'actions érotiques pour aujourd'hui. Je vais aller me laver un peu. Je comprends, oui. Bonne douche, et à tout de suite. Mais oui, okay. le jeu est très sympa, Ormila. J'aime beaucoup. Chapitre 2. Ouais, le jeu est cool, en vrai. Alors, pour l'instant, il est... Alors, c'est la première mission qu'on vient de faire qui est un peu plus complexe. On a passé 10 minutes sur une énigme. Mais sinon, les trois premières, en vrai, ça va. Ça se fait assez bien et assez vite. Mais là, celle-ci, elle était vénère un petit peu, ouais.
Ah, le blanc, rouge, blanc, bleu, bleu, mes couilles là. Incroyable, hein. Ouais, ouais, celle-ci elle était énervée. Vraiment. C'est insupportable, laisse-moi mettre la musique, frère. Non, je l'ai déjà écouté tout à l'heure. À tous les élèves et professeurs, aujourd'hui est un grand jour. I'm plus. Oh non, j'ai raté ma vanne, mec. Je suis mûr, je suis compris. Je l'ai même, je l'ai avant même que tu l'aies sorti. Oh, ça me dégoûte. Allez, oh. tu recommences. Allez, tu penses à un chat mort et tu recommences. Non, l'horreur. Après mûre réflexion et moult pénétration, Ed Barnes a accepté un poste d'enseignant ici, sur le campus. De par ce retour, mes lèvres, il ravivra une vieille tradition de l'académie, la salle des rivaux. C'est une compétition féroce qui voit s'affronter les élèves. En tant que responsable du tournoi et amante de elle, le professeur Barnes recrutera des talents tout au long du semestre. Je n'ai retenu que le mot pénétration. Mais pourquoi ne m'avez-vous pas invité? J'ai hâte de voir ce que vous avez dans le ventre. Faire jouer. Je vous en prie, appelez-moi maître. Oh, et bien entendu, maître. C'est pas possible. Maître et moi-même remettrons une récompense en gagnant, ainsi que le titre de virtuose de première année, mon cul, oui. De plus, vous pourrez y gagner un sextoy, mais il va falloir se resserrer. Non, non, pas elle. Allez, la cagole. La cagole. C'est comme si la pénétration était déjà à moi. On finit là-dessus. Oh, j'en peux plus, je suis rouge. Hormis là, je suis désolé, hein, tu... Bon, tu commences à me connaître, je suis comme ça. Oh putain, mais je suis... Oh la lâche. Oh la vache, l'académie du cul, oui. J'arrive au bon moment. Ah, t'arrives au meilleur moment, t'inquiète. Salle informatique, cafétéria ou la serre? La serre, frère. On va faire pousser dans la serre, mec. Oh putain, il est... Oh non, il est avec elle. Oh, c'est pour toi. La taisière. Bienvenue dans mon espace. Non. Et si, mec. Non. Commence pas comme ça. C'est la professeure Vanilla. Bienvenue dans mon espace. Je suis le professeur Bonil. Et je me trouve. J'étais expert en explosifs. Mais je suis passé à quelque chose de plus. Pénétrant. La production de bêtes. Je me suis. Pourquoi il faut toujours que les dialogues ce soit une dinguerie dans les jeux? Oui. Attends. Wow. Je me suis donné comme objectif. Tu sais ce qui va venir. Tu sais très bien ce qui va venir. Tu l'as lu la première phrase comme moi. Tu sais très bien ce qui va venir. Mais c'est à cause de ce verbe d'action. Oui. Après, je peux mettre plusieurs mots. Je vais essayer d'être original. Je me suis donné comme objectif de réaliser la
pipe parfaite. Et j'ai découvert que ça me manque. Ah, c'est pas possible. C'est pas possible. Je faisais gémir mon chéri de... dans un hammam, il faisait chaud. Mais au lieu de ça, qu'est-ce qu'il faisait? Il a pris un accent du sud, la pute. Mais au lieu de ça, il regardait Notre-Dame qui avait une plus grosse poitrine de moi qui était plus chaude. C'est pour ça que j'ai mis mes doigts dans le thermostat à 220 degrés. Ça ne lui a pas plu, mais c'est de l'expérience. C'est moi en plus? Oui. J'adore cette idée. On peut compter sur Ali, c'est comme ça que je l'appelle. Oh, je suis... Non, non, merde. Oh, ouais. Je suis... Il y a 1000 personnages en un. C'est pas faux. Oh, la posterie. Je suis exaltée que vous ayez décidé de braver ma chaleur pour pouvoir préchauffer votre four avant d'y enfourner votre viande. Oh putain, c'était dur, mec. Préparez le thé parfait. La pipe parfaite. J'espère que vous n'avez pas négligé notre réchauffement, sinon ça ne va pas tarder à machin. Ok. Il y a un cœur. A. A plus B. Inspecter. C'est Thérèse ? Ah non, c'était hier. Il faut des feuilles. Ajouter de l'eau, faire bouillir, faire infuser les feuilles, ne pas mourir. J'ai un arrosoir vide. J'ai une pelle de jardin. C'est bien ça. Je ne peux pas tourner cette poignée avec toutes ces abeilles. Le véritable amour s'épanouit ici. Ok, code à 4 lettres. Viens creuser ici, s'il te plaît. T'es de l'autre côté ? Yep, je suis en bas. Oh, I've been looking for that. Un collier de la professeure, KZ. KZ, pardon. K-E. Ah, je pense que c'est un Z. Ouais, je pense aussi. Mais je sais pas lire, donc pardon. Il y a encore un truc à proposer là. J'ai eu une graine de sérénité. Ah, quel jeu de mots. Véritable amour s'épanouit ici. Utilisez la bête en cas de prolifération. Oh putain. La vache. On fait moins les malins là. Oui oui. Il y a une logique dans l'évolution. Il manque une tablette là. Ok, il va falloir trouver des tablettes. Bon, ça a l'air d'être pour plus tard. Combustible Flower Power. Il va y avoir quelque chose d'important dans cette vitrine. Ok. Bon, faut qu'on foute de la flotte. Le réservoir de propane est vide. Ah, il faut trouver un réservoir de propane aussi. Ce sont des feuilles de feuilles de thé. Ok. Bon, j'ai toujours le collier KZ. C'est vide. Ah, t'as de l'eau ? T'as non. Pas un truc d'arrosoir, je sais pas quoi là ? À gauche, il y a un arrosoir, mais il est vide. Ah, voilà, c'est le même que j'ai trouvé du coup. Okay. Respectez, le trou est vide. Le véritable amour s'épanouit ici. C'est quoi, c'est love? Ouais, peut-être.
Ah non, c'est jusqu'à J. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Et là, c'est pas la même chose par contre. S'épanouit ici. C'est quoi remonte-moi tes objets, s'il te plaît. J'ai une graine de sérénité et le collier de la professeure. KZ. KZ. Et là, il y a AB. AB, KZ. AB, K. AB, KZ. Non, il n'y a pas. Ça m'étonnerait. Ah, peut-être que si. K. Et B. A, B, K, Z. D'accord. Inspecté. Cet agencement semble intentionnel. Gris, rouge, rouge, bleu, rouge, gris. Ah, c'est bon, dis-moi. Dis-moi. Bah, c'est devant, là. Gris. Petite clé. Pinceau. Pinceau. Clé. Sonneuse. La bête. Réservoir rempli. Oh, j'ai les tablettes. Ok, let's go. J'aime mes outils comme état, ça t'est bien rangé. Enfin, j'aime mes outils comme... Alors je me garde mes chiens. Bien rangé à l'intérieur. Faut que je tronçonne l'arbre? Non. J'ai ouvert la porte avec la tronçonneuse. Les papillons ne se poseront pas tant que les fleurs ne seront pas dans le bon ordre. Ah bah c'est bon, tiens. J'ai réussi moi aussi. J'ai une bombe. Quoi? C'est pas l'énigme que je suis en train de te donner là? T'as réussi à le trouver C'est quoi ton énigme? C'est notre énigme. Quelque chose qui a besoin de carburant. C'est toi, c'est ta tronçonneuse. J'ai plus de carburant, mec. Oui, faut que t'ailles en chercher, y'en a là dans mon truc. Et j'ai la bouteille de propane. Ouais, bouteille de propane, tu peux aller la mettre. Ouais. Ici, là. Ah. C'était où? Il est où ton placard, mec? T'es où? Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Y'a. Yeah. Oh, mais putain, on a ouvert une énorme porte! Ça ressemble à une pompe, inspecteur. Oula! B-A-D-B-E. Bannisseur d'abeilles dangereuses et bourdon excessivement effroyable. T'avais un truc avec les papillons, toi, là? Faut que je clique dessus. Les papillons ne se poseront pas tant que les fleurs ne seront pas dans le bon ordre. La fleur C doit être la deuxième, la plus proche de la lumière. Attends, mais c'est quoi, les fleurs? Ah, c'est là. La fleur C doit être le plus proche de la lumière, c'est ça? Ouais, tu veux que je garde ça? Vas-y. Ah mais c'est moi qui ai l'objet. Ah. Ah mais je peux l'épingler. La C est le plus proche de la lumière. Ouais. C'est quoi la lumière? La lumière c'est juste à gauche. Attends mec, tiens. Fais-le toi. Parce que l'épinglage c'est pas ouf. Ah. Ah oui, la lumière est là donc ça c'est bon. La okay. A... La fleur A doit se trouver entre deux plantes. Ouais. A, B, E n'ont pas besoin de beaucoup de lumière. Ah, et tu mets... Voilà. Non, fleur D a une extrémité. La ouais, fleur bleue doit c'est être... C'est comme ça. Juste à gauche des fleurs rouges. Hein? Donc comme ça. Flower arrangements always give me butterflies. D'accord. Et ça fait quoi? Ah, on a le code. Bleu, rouge, vert, violet... Jaune. Bah blanc c'est... Y'a pas de blanc. Bah bleu... Merde. Bleu, rouge, vert, rose, jaune. Bleu, rouge, vert... Non, la première ça doit être blanc du coup, non? Bah oui, c'est la lumière blanche. Non. Non, c'est ça. Bleu, rouge, vert,
Rose jaune. Et blanc pour valider peut-être. Attends. B A. Bannisseur d'abeilles dangereuses. B A D B E E. Et non, c'est pas ça. Donc c'est rose. Rose vert. Bleu. Pourquoi? Bah BAD. Ah putain, mais oui, d'accord. B c'est rose. Et rose, jaune, vert, jaune. Bleu, rose, jaune, jaune. Bien joué. Mais oui. Spray de croissance pour insectes. Ah bah voilà, parfait. Repousse abeille. Je peux pas utiliser. Tu peux pas mettre un masque pour un repousse abeille là. Stylé. Ici. Inspecter. Là. Ah, faut que je fasse inspecter. Je fais tourner. Pression d'eau. Le coule à flot. Arrosoir. C'est vide. D'accord. Et toi, c'est quoi avec ton essence et ta truc là? Faut faire quoi? Avec mon réservoir? Ouais. Mec, fais pas bouillir, mec, c'est pas prêt du tout, genre le thé. Non, mais j'ai même pas. Tout j'ai même... Je cherche comment foutre de la flotte dans l'arrosoir. Oh, mais attends. Là, mec, la flotte c'est en haut. Ah. Attends, t'as allumé le feu, mec? Non, mais c'était. C'est parce que quand c'est quand j'ai mis le truc de propane. Ah. Déjà pleine, et maintenant? Ah, c'est des feuilles et pas des graines. Qu'est-ce que je dois faire avec la bête encore? Ah, là-bas. Let's go. Oh, le bordel. Toi, je vois dans le microscope, oui. Ah. J'ai une cellule végétale, là. J'ai chloroplaste et ADN. Que dois-je poser? Ah non, mais c'est pas là. Bon, sérénité est enfin prêt à être planté. Ça sera peut-être mon chef d'œuvre. PS, il faut que je continue de chercher. Sérénité. T'as pas un code non, sérénité. Mon sérénité est enfin prêt à être planté. Ça sera peut-être mon chef-d'œuvre. PS, il faut que je continue de chercher ce collier. Je l'ai trouvé. Analyse du poids des graines. C'est des graines que t'as? Ouais, 0,23. J'ai tes témoins. Drôle. Pardon. Y'a pas GTT. Si, regarde. J'ai. Ah. Ah, mais y'a pas moins. GTT. Ah! C'est en deux codes? Ouais. Et bah maintenant faut qu'on sache le chloroplaste qu'il y a là-dedans. Et après ce sera GTT. Mais je sais pas où je dois la foutre. Faut que je la foute au microscope? Ouais, microscope. Ah! T'as un panneau d'affichage avec ce genre de merde. Chloroplaste. Faut être 2, 4, 6, 8. Tag. GTT tag. Let's go! Joué! Ramasser. Ah, feuille de thé. Parfait. Ah. On va faire bouillir. «
Oui, j'avais que on avait vu Ormila. Inspecter. Wake up, little tea plants. Time for a bath. On a été excellent. Ouais, pas mal, hein. Théorie, Efratia. A cup of tea can solve anything. On a été très bon là-dessus, il nous restait 10 minutes. Ouais, pas mal, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Lui, là, tu peux dire un compliment quand même, on a réussi. On dirait que quelqu'un s'est découvert une passion pour la botanique. A plus. Par contre, t'arrives toujours pas à prendre. Mais ça, c'est tout le temps, t'inquiète. Ça va, Ormila, c'est bon. Ormilia. Ormilia, ah putain, Ormilia. Tu peux pas t'appeler un prénom plus facile à lire en même temps. Quel connard. Alors, Ormilia, le Westbot, quand il lâche un salope, c'est pas forcément contre toi, hein, c'est contre tout le monde. Hein. Parce qu'elle m'a clashé et il y a le Wisebot qui a balancé en salope automatiquement. Bon, il tombe à pic, mais il le prend pas personnellement. Dis-lui d'où il vient au moins. D'où il vient? Bah, pourquoi est-ce qu'il y a ça qui pop dans ton chat? Je sais pas, je l'ai mis. C'est un Wisebot quoi, c'est un bot, je l'ai mis automatiquement. Oui, mais c'est... le salope il vient d'où? De toi? Mais non. C'est pas... ça vient pas de Metal Gear? Non. Non, non, salope, il est pas dans Metal Gear, il est gratuit. Ah, ok. Non, non, y'a jamais le mot salope dans Metal Gear, mec. Dans Metal Gear, c'est tu veux qu'on se tire l'oreille. Une carte panne. Et zut. Oh putain, c'est vraiment à moi. Oui. Wow, l'expérience est un succès. Jamais un thé, une pipe n'aura été aussi bonne. Il semblerait que vous en vouliez encore pour vous purifier. Je dois bien l'admettre. Cette pipe. était extrêmement bonne. Mais je n'arrive toujours pas à jouir. Et vous avez laissé. Et vous avez tombé. Et vous avez laissé tomber vos boobs. C'est une grosse érection bien dure qui est sortie tel un explosif. Mais moi je suis pris plein le visage. Oh mon dieu. Quelle horreur. Ah ouais, vraiment c'est hard. Ah mec, j'ai filtre désactivé dans mon titre, hein, je suis désolé. Hein. Oh quel fils de putain. Il a attendu que j'y aille. Hein. Oui. Café tout ça l'info, ça l'info. Je mange des cartes mères, putain. Rat de laboratoire. 25 minutes, difficulté 3 sur 5. Greetings, pupil. Salutations, élève. Mes algorithmes avaient prédit votre visite dans ma classe. Ce petit ordinateur est plutôt impressionnant. Ah, ne fais pas attention à moi, je suis simplement ici pour observer. La raison de notre interaction d'aujourd'hui est la suivante. Baisez-moi. J'ai analysé vos performances à l'académie et j'ai généré une jouissance. Des bisous, Ormilia. Bonne nuit. Bon bisous, Ormilia. Vous avez triché. Vos purifications ont été parfaites et donc mathématiquement impossibles. Quoi ? Je dois donc recommander votre expulsion, qui sera rapide, gênante et... Je le crains. Wow. Voilà qui est inattendu. Vous avez une opportunité de fermer votre gueule. Si vous pouvez pirater les pilotes de mon système central, je pourrais peut-être réévaluer ma jouissance à votre sujet. End of sentence. Mais vous allez échouer, c'est certain. Personne ne m'a jamais donné ce que je mérite. Tu veux vraiment le mettre sur YouTube? Good luck trying to hack me without sufficient Marchez. Power. Probability of your expulsion. Oh le bordel mec.
Ok, il y a un milliard de PC les uns, il n'y a pas de courant, faut mettre du courant. Il n'y a pas de courant. Boîtier d'alimentation aurait bien besoin d'un coup de pouce. J'ai un tube à énergie. Qu'est-ce qui vit ici? Le sudoku pour tous. Quelles sont les règles du sudoku? Remplissez la grille de sorte que un chiffre apparaisse. Ah bah oui. Putain, la chatte, il a un sudoku. Dishonesty has no place at the academy. J'ai encore un tube à énergie. Pas de courant. Inspecter. Pas de courant. Calibateur binaire. Tu l'as fait le sudoku? Mais je peux pas, je peux rien faire, frère. Remplissez la grille de sorte que chaque chiffre apparaisse une fois dans chaque colonne, ligne et carré. De toute façon, il est bon là. Ça, c'est juste les règles. Y a rien à faire, c'est les règles. Bon, du coup, il est bon le sudoku là, oui. Il est valide. C'est ce que je. C'est pour ça, mec, je suis trop fort, genre. Je l'ai fait en 2 secondes, mec. T'inquiète. Inspecter ce boîtier d'alimentation aurait bien besoin d'un coup de. Ah! Tiens! Il manque un tuyau. Oh, mais il y a une petite salle là aussi. Tube à énergie. T'as pas un tube à énergie? Non, j'ai rien trouvé. J'en ai un, ils sont accrochés. Ah, j'en ai un là. Tube à énergie. Let's go. A2. B1. B4. A, B, C, D. C, D, A, B. Donc c'est C. C4. J'ai pas de pièce, putain. T'as pas une pièce? Non, j'ai pas de pièce, frère. C4, tu retiens dans ta tête? C4. C4. Oh! Adorable. Oh, y'a une GameCube! Excellent, mec. Mais c'est une GameCube remixée, mais. Y'avait un truc. Mais si, putain, y'a des pièces là, petite monnaie. Y'avait un truc dans la boîte à pizza? Je sais pas, mec. Non? Moi j'ai pas d'objet. Let's go. Donut. Je suis coincé. Mais est-ce que... Ah mais voilà. Viens mettre le donut ici. Ouais ouais, il y a une boîte à pizza là-bas. Et il y a une part de pizza par terre. Non, ça marche pas. Faut que je mette mon donut ailleurs. Tu peux pas le mettre là? Il y a que le rat qui peut manger le donut là. Ouais voilà. Turmeric la rate. Ah, c'est toi qui vas nous faire de l'énergie. I did not anticipate the rodent assisting you. Système opérationnel. Attention au laser. Mot de passe, laser activé. Ah. Mot de passe oublié. Nom de la mère, Bertha. Nom du chien, Bug. Comment s'appelle le chien? Va voir la gamelle du chien. Je sais pas où c'est. Je pense qu'il y a une gamelle du chien. Regarde dans le salon en bas, il y a peut-être une gamelle. Non. Non, il n'y a pas de gamelle. Attends, remets ça. J'aurais dû
s'il n'y a pas un truc qui brille ici. Non. Oh putain, il y a plein de codes d'accès sur les PC. Carré, rond, triangle. Il y en a sur chaque ordi. Il y en a 5. Wow. Professor Quanti's not screwing around. Calculateur binaire. Ça, je comprends pas ce que c'est là depuis tout à l'heure. Treize des pièces ou pas? Ah non, mais y a plus rien là. Binaire, c'est 1-2 à chaque fois. Nom de la mère, nom du chien. 8, 4, 2, 1. Comment ça, nom de la mère, nom du chien? Y'a pas une télécommande qui traîne? T'as pas d'objet, toi, t'as rien? Non, j'ai rien. Trouver un... cheddar poussiéreux. Oh putain! Les ordis, c'est ce que les trucs ils font. Carré, rond, carré, triangle, rond. Putain. Fichier. Bonjour. Maman. Del Ilan. Del Ila. Et il s'appelle Sprocket. C'est le mot de passe code. Faut que tu fermes. Faut que je ferme quoi? Le truc. La fenêtre. Ah oui. Hein? La caisse. Ah merde. Taux de protection contre les intrus est de 0%. So what? This has no bearing on your ability to access my server room. Modèle numéro 13, suffisant, sérieux, intelligent. Insérer une disquette.
Et là, il n'y a rien. Suffisant, sérieux, intelligent. C'est-à-dire. Insérer une disquette. Les disquettes, si, c'est là, c'est les ordi. Dans Virus, tu peux me faire une disquette. Mais je comprends pas, c'est du 0 ou du 1. Et c'est ça, c'est le truc binaire. 8, 4, 2, 1. Non. Ouais, essaye 8, 4, 2, 1. Bah, je peux pas, c'est 0 ou 1. Ah. Bon, j'ai un virus numéro 11, je vais voir ce que ça fait. J'ai créé un truc au hasard. Incompatible. Sérieux, suffisant, sérieux, intelligent. C'est le numéro 13 qu'il faut de toute façon. Modèle numéro 13. Suffisant, sérieux, intelligent. Poisson. Numéro 3. 7. 15. 14. Tu vas pas tous les faire, mec. 8. Ah, putain. 11. 12. Tu vas en avoir qu'une seule, mec. Tu peux pas en prendre plusieurs, je pense. Vérifie tes objets, hein. Pourquoi 11-01? I am not feeling so well. Analysis. I have succumbed to suffisant, sérieux et intelligent. Fever. Je sais pas. Mais à force j'ai trouvé en tout cas. Fièvre de samedi soir. Oh putain, il va y avoir un corps avec ces merdes là. Oh l'enfer. Hein ? Ah mais putain, regarde ! Oui, c'est là où il faut marcher. Ouais, j'avais pas vu du tout, moi. Va à droite. Ah merde. Vas-y. Quoi ? Doucement. Hein ? Bah laisse-moi aller dessus quand même, gros bâtard. Mais pourquoi toi tu restes sur la case à gauche là ? Ah mais c'est nous ! Putain, c'est mon visage là qui se déplace. Je comprenais rien. Mais oui, c'est nous. D'accord. Donc ça là. Après en bas à gauche. Attends, je me barre. Vas-y, va en bas à gauche. Bah là, on est baisé. J'y vais. Ah oui, t'étais sur. Faut. Je pense que c'est qu'un. Vas-y. Vas-y, va-t'en à droite et moi j'y vais. En bas. Là c'est à l'envers. Donc si on va là. Mais j'ai même pas pu y aller. C'est à toi d'y aller. Quoi? Non. Pourquoi t'allais dans l'angle? Ouais, hop. Ah, ça marche pas, les pas. Là, je vais là. Ouais. Là, c'est. Faut que t'ailles à l'autre. Mais ça va pas marcher, rien. Ah, si. Ouais,
bien joué. Oh non, t'as reculé. Non mais ça avait pété avant de toute façon. Tu vois, c'est tout le temps la même chose. À toi. Quoi? Là tu vas en diagonale de là où t'es. Il est à l'envers, c'est à l'envers. Là il est à l'envers là? Faut que t'ailles là-bas, attends. Hop. Là, c'est ici. Ah mais là je suis là, c'est à toi d'y aller parce que moi je suis baisé là où je suis. Oh merde. Mais c'est bon. Ah non, c'était pas bon, ça fait. Mais non, ça bah fait si. Tout loot. Mais non, pas du tout. Ah bah je te jure frère, regarde. Merde. C'est parce que t'as bougé. Pourquoi là ça fait ça? Mais ça quoi? Mais là ça a fait tululu alors que t'es allé sur le bon. Enfin tululu. Ah mais moi ça, moi j'entends pas les mêmes choses que toi alors. Ah. Parce que là moi c'est bon de mon côté hein. Là faut aller là. Putain c'est pas là, c'est de l'autre côté. C'est là. Attends mais à mon avis on voit pas, c'est bugué, on voit pas la même chose. Mais si. Là c'est bon. Là. Voilà. Là je vais en bas à gauche. Oui. Après tu vas là, en bas à droite. Et tu vois là on a rien fait et ça a bugué. Mais pour moi faut le faire, ça c'est un truc qu'il faut faire tout seul. Tac, tu te bats. Tu vois quand t'es ici, en fait là du coup faut aller à l'opposé. Donc à l'angle là-bas. Donc là je te risque rien. Et après je fais ça et ça. Ok. Là moi faut que je fasse quoi? Faut que je recule. Encore. Et que j'aille à droite. Putain, tout ça pour ça. Oh, quelle merde. Dishonesty has no place at the academy. Dishonesty has no place at the academy. L'enfer. Dishonesty has no place at the academy. Oh, et ça a ouvert une porte. Salut Goth. Ça va ou quoi? J'ai même pas regardé mon chat depuis tout à l'heure. Oh là là. Oh, je peux désactiver des interrupteurs. Le sexe dans la boîte à pizza. Putain, j'avais pas vu tes messages. C'est une chaîne de chien. Enfin, ah, mec, ça sourdissant, ça sourdissant. Niveau quantum, piraté. Protocole de prise de contrôle manuel. Carré triangle rond. PPCM. C'est toujours carré triangle rond. Aller de la valeur la plus basse de la série à la plus élevée. BCD. Merde. Allez, de la vapeur la plus basse, la série, à la plus basse. Tu peux demander en quelle année il compte voir son chat, Shin? Shin, tu comptes voir ton chat? Pas maintenant, il reste plus que 6 minutes et on est dans la merde. C'est vrai qu'on est un peu dans la merde. Changer de série. Attends mais c'est... Non mais attends, c'est... Faut trouver carré rouge, triangle, bleu et rond blanc. Ah il est là, D. Non, triangle bleu. Ah. Ça se trouve y'a pas hein. Si là. Ok. Carré jaune, jaune, blanc, bleu. Parce que de toute façon c'est tout le temps les mêmes trucs. Jaune, blanc, bleu. Y'a pas jaune, blanc, bleu. On a vraiment enlevé le bon, le rouge bleu blanc là. Ici. Jaune, blanc, bleu.
Aller de la valeur la plus basse de la série à la plus élevée. Ça avait des significations, carré. Changer. Du coup, c'est quoi? C'est carré jaune et on voit ce qu'il y a derrière? Carré jaune, triangle jaune. Carré jaune, triangle rouge. Donc ça se joue entre les deux. Carré jaune. Oui, parce qu'il y a plus d'interrupteurs de chiffres. Carré jaune, triangle rouge. Pourquoi rouge? Parce que le jaune est plus élevé que le rouge. Ah. Je pense. Je sais pas. C'était pas ça. Si on met jaune, c'est pas ça. Non mais mec, regarde. Attends. Jaune. Ah non mais ça doit dire que s'il y a un autre carré rouge en premier, c'est lui. Eh oui, il y en a un là. Rouge et c'est bleu avant. Donc c'est ça. Ensuite, c'est ça. Rouge. Donc là maintenant on passe au jaune. Le jaune, on avait raison. C'est ça. Et ça. Ça et ça. Bleu. Alors bleu, le moins élevé c'est bleu bleu. J'ai un bleu bleu rouge, t'as mieux? J'ai un blanc jaune bleu. Non, pas encore. Bleu bleu rouge. Ah. Et il nous reste plus qu'un? Non, il nous reste blanc blanc jaune. Il est là. Et l'autre c'est blanc jaune. Non, attends. Blanc blanc jaune d'abord, ouais. Et l'autre à ta gauche après. Et après blanc jaune bleu. Ouais. Let's go. Waouh. Wow. Oh, le cerveau. Ouais. Pff, incroyable. Bon bah là, c'est plus facile comme les trois premières missions là. Mmh. Putain, let's go mec. Good job. Ah, il y a des trucs, ça m'a perdu vraiment. Là, le virus, j'ai pas compris. Merde, attends. Mmh. Tac, oui, ça c'est le machin, c'est ça là. Ah, ça j'ai pas compris. Hein. Ah, le numéro de modèle de Quanti est le 13. Convertissez ce nombre en binaire. C'est à ça que ça servait. Ah, mais je l'ai fait sans faire exprès à un moment donné. Et après, oui, ça me faisait 0 ou 1. C'est ça. Ah, putain. Moi, je l'ai fait à force de trouver. Comme un gros. 4 minutes, hein, la dernière énigme. Hein. Oh, on a pas été trop mauvais en vrai. C'était spécial. On est très bon, mec. On est très très bon. Merci de votre participation. Il semblerait que vous soyez bien une irrégularité statistique. Quoi qu'il en soit, cela a permis d'ajouter des données bénéfiques à mes archives. Vous avez gagné mon respect. J'ai maintenant accès à YouPorn IXXXX, les plus belles françaises de ta région au conditionnel. Je comprends vos raisons d'aller sur Pornhub, YouPorn. Mais vous avez deux autres sites que je ne citerai pas parce qu'il y a des enfants qui regardent. J'ai même pas dit YouPorn, putain. Conversation terminated. Veuillez désormais quitter le laboratoire. J'ai d'importants calculs à effectuer. Traduction de calcul? Est-ce qu'il y a vraiment besoin de traduire calcul? Alright! On a récupéré le rat. T'as vu? Il est là. Tu peux faire une toute petite pause, mec, 5 minutes? Ouais, de fou. Tu veux mettre de la musique? Ouais, si tu veux. Oh putain. Il va niquer ta grand-mère, mec. Mets une bonne musique. Ouais. Be dead. Ça vaut quoi, Goat, la forme? C'est insupportable. La musique de Bamako? T'as enlevé la musique de Bamako? T'as pas honte? T'as pas honte? Tu n'as pas honte? Je vais te montrer ce que c'est le respect.
Je m'appelle Pierre. B-L-O-N-D. Il lynche. Tech. Bon allez, je vais rapidement aux toilettes. Vas-y, vas-y. A tout de suite. Shot. Tout de suite, petite pute. Bon, on va regarder si... parce que si, il va regarder un truc tout à l'heure, comme quoi... il y a l'avoir un remake d'un Metal Gear Solid. De cookies de merde, c'est insupportable ça. Je veux pas d'un remake de MGS. Déjà, je veux pas de remake de MGS, et encore moins si c'est pas Kojima qui le fait, quoi. Ça va, meuf? Viens. Non, tu viens plus. Tac, tac, tac. Une petite garo. Et puis on y va. T'as mon stream ou pas, mec? Ouais, j'ai ton stream. Regarde. Oh. Viens à toi. Je vois rien, frère. Attends, faut que je te mette en 1080. Oh, qu'est-ce qu'elle est laide. Qu'est-ce qu'elle est grosse. Maïka. Allez, go. Hop. Allez, zou, ma belle. Je ne comprends pas l'utilité d'avoir un chat. Vraiment. Ça dans mon message d'invitation anniversaire, genre j'ai mis les enfants sont admis, les chiens sont admis, mais pas les chats, parce que les chats c'est nul. Where's Goat? T'es plus là? Non, il est plus là. Non. I think he's gone. Allez, come on! Attends, je regarde juste si Santa Crisp il a battu son boss sur Bloodborne. Ça marche. Oh, il l'a toujours pas battu! Oh putain, frère. Ça fait 6 heures qu'il est dessus. La cafétéria. Mine dortoir. Qu'est-ce qui se passe, Goat? Tu voulais nous dire quelque chose, Goat? Profites-en avant qu'on lance une prochaine énigme et qu'on ne regarde pas le chat parce que c'est pas toujours intéressant ce que tu dis. Rarement même. On pourrait faire une photo de nos setups coulisses de l'émission. Bon, si tu veux le setup de... Ah, si tu veux, je prends mon PC portable en photo et t'as mon setup. Et puis toi, les poils de pif. Ça va, mec. Hein? Bon, il y a la transparence sur l'effet cam, mais... t'as pu écouter ce que je t'ai envoyé ou pas, Goat? Ce serait marrant. Enfin, si tu veux, je t'envoie une photo en PNG de mon PC portable. Ah,
Moi, il faut que je range mon bureau si je prends une photo de mon setup, parce qu'il y a des choses pas très orthodoxes. Tous mes bruits nasaux. Ah ouais, vraiment, genre je parle avec le nez, mais je suis un petit peu enrhumé aussi en ce moment. Bon, hier, t'étais pas juste enrhumé, frère. J'étais quoi hier? Qu'est-ce bah, que j'ai tu reniflais tout le temps sur Alien Isolation. Ouais, c'est vrai. Non, hier... Tes soufflements de nez. Ah ouais, c'est vraiment gênant. Non. Non, mais je demande à Goth pour le montage. Ah, ah, j'en peux plus d'être malade, mec. Depuis le jour de l'an que je suis malade, mec, ça s'arrête pas, genre. Attends, mais l'audio, il est si à chier que ça? Vraiment? C'est dur avec mon micro gaming. Hein. Putain, j'aurais tellement dû récupérer mon micro chez l'autre pute, là. Putain. Je vais écouter. C'est vrai que y a pas mal de trucs donnés en fait. Hein. Je vous fais écouter avec et sans la retouche. Ah putain, faut que je coupe mon son d'ordi là du coup, parce qu'il y a un putain d'écho de merde. Hop. Surtout au début, son dit. Enfin, mon... Oh, non, mais ouais, je peux t'en refaire une demain hein, si tu veux, hein, demain dans la matinée ou quoi. Je peux, hein, surtout tu me dis. Hein. En fait, ouais, c'est dur de capter. Voilà. J'avais un micro, un putain de micro de streamer avant, genre que mon frère m'avait offert. Mais je me le suis fait voler par une pétasse. Non, mais là, ouais, ce qui me choque le plus dans ton vocal, mec, c'est qu'on s'emmerde par rapport au premier que t'as fait. Bah ouais, mais quand je m'extasie trop, ça sature de ouf, mec. Après, sans la vidéo, avec la vidéo, on s'emmerde moins, mais... Ah ouais, moi mais... aussi, je l'ai réécouté, là, et là t'es en train de nous raconter. Que... t'es en train de nous raconter une histoire en mode « je vais me coucher », quoi. Donc ça passe bien, tu vois, c'est chill, mais ça manque un peu de peps, quand même. Genre le petit Natacha, il était bien, mais du coup, tu peux le faire, moi, en gueulant, mais en mettant quand même le ton et tout. Ah, moi, je préférais une fois la première. Ben moi aussi, mais j'ai essayé de... Enfin j'ai fait plein de... Enfin j'ai pas enregistré les versions parce que je me gourais à chaque fois, mais j'ai essayé plein de tests au niveau volume sonore, au niveau puissance vocale, etc. Et là où c'est un peu le moins pire, c'est ça, parce qu'en fait le micro il est pas fait pour enregistrer, quoi. Faut que je m'achète un nouveau micro en fait. Mais un micro spécialisé que pour l'enregistrement... Non mais là ça va, on est sur une vidéo best-of, hein. Enfin sur un récap, hein, c'est ok. Et oui, le en fait, c'était tes soufflements en fin de phrase. Ouais. Qu'on entend un peu, et surtout au début, oui. Après, t'arrives à les couper. Mais de toute façon, si tu fais attention à ça, si t'es vigilant à ça, tu les feras plus. Ouais, oui, je les ferai plus. Mais non, sinon, après, ça va.
Mais ouais, là, en gros, pour moi, faut que tu prends de la première, tu prends de la deuxième, tu fais un mix global et on a un truc nickel. Ouais, tu peux faire ça aussi. Non, mais c'est à toi que je disais ça. Ah! Je pensais que tu parlais à Goth. Non, bah non, sinon ça va faire trop bizarre en vrai. Mais non, mais pour moi, en fait, tu te tempères, mais en même temps, tu gardes le ton. En fait, tu tempères ton. T'as essayé avec la vidéo? Bah non, je Mais tu l'ai. peux pas là Il avec ton l'a pas portable. envoyé. Oui, mais bah moi je le faisais comme ça, mec. Hein. Oui, je sais, on entend C'est. derrière. Ouais, mais comme il y a la musique et la réaction, je pense qu'on n'entendra pas l'écho Oh, qu'on jamais. a dans l'enregistrement. On l'entendra pas. Non. Non, c'est pour ça que c'est pas un point négatif, ça, pas du tout. C'est l'ennui total sans la vidéo. Ah oui, clairement. Hein. L'écho, j'ai enlevé. Ok. Non, mais Ouais, j'ai vrai. je pense qu'il faut que t'arrives. Tu t'écoutes ta première, enfin, t'écoutes ta deuxième, t'écoutes ta première, et t'essaies de nous sortir un petit truc entre les deux. Et pour moi, c'est bon. Hein. Après, en termes de qualité audio, de toute façon, on n'a pas un micro comme vous pouvez avoir avec un perchoir machin, donc forcément, en termes de qualité, ce sera moins bien que ce que toi tu peux avoir, Goat. Mais en vrai, ça va. Hein. Moi, déjà, la première, elle me choquait pas. Hein. Mais je peux comprendre, je vais les réécouter la première au cas où. Ça te laisse le temps de fumer max tranquillou. La première, il y avait la vidéo, je crois. Ah, bah, je vais aller voir ça. Ah Dans le oui, il a mis le Wii fichier. Transfer. Avec voix qui grésille. J'ai explosé quand j'ai mis le nom du fichier. C'est Avec voix incroyable. grésille 1.mp4. Mais je pense aussi qu'il faut changer la vidéo de présentation. Je pense qu'elle va pas. J'aime pas ma voix sur la vidéo de présentation. Et si elle pop tout le temps, le début de la vidéo en plus sur TikTok, c'est Mesdames et messieurs. Genre, j'ai une pote qui m'a dit ça tout à l'heure. Elle m'a dit. Alors, je sais pas si c'est parce que c'est l'effet répétition sur TikTok qui est chiant ou si c'est juste ma voix, mais. N'hésitez pas à baisser le tab. On parle de l'émission en petits audios. Je viens de vous mettre la commande OZ. Vous avez la chaîne Twitch de Westgoat. Vous avez la chaîne Twitter, Insta, TikTok et YouTube de Petits Oignons. Une petite émission qu'on fait entre nous, en petit comité, 4, 5, 6 personnes avec la modération. Une émission très sympa où on s'amuse, où le thème principal est le glitch. Et on est là pour passer du bon temps. On travaille depuis longtemps dessus, on a fait notre première le 6 janvier, vous avez la dernière vidéo sur YouTube, et on en fait une prochaine très rapidement. Moi, ça me choque pas. Hein. La première vidéo? Ouais. C'est vrai que c'est un peu excessif dans les décibels. Et du coup, on perd un peu en qualité. Mais en vrai, c'est tellement mieux que la deuxième, mec. Ouais, je suis d'accord. Mais ouais, du coup, si tu Parce qu'en fait, dois en refaire une, faut juste. il m'a dit qu'il fallait que je sois posé comme la dernière phrase de la première, et c'est ce que j'ai essayé de faire bah, toute la vidéo en fait. Oui. C'est ce que Goth m'a demandé de faire, donc j'ai fait comme j'ai pu, mais je peux en refaire une. Ça me saoule parce que je vous ai fait perdre du temps, mais. Mais non, ça, on s'en fout. On Mais je m'entend peux là ou pas dans demander. le live Bah, là? si, c'est chiant. Normalement, oui. Oui, c'est bon. Non, mais ça fait pas perdre du temps vu qu'on a jusque la vidéo elle est prête presque et on a jusqu'au week-end. Tranquille. Ouais, mais c'est pour que Et Gauthier elle dure une minute. il ait Hein. ça de. Il ait ça de fait. 8h30, 8h30. Ouais, je pense.
Si tu dois en refaire une pour moi, c'est exactement la même que la première, mais en baissant un tout petit peu le volume. Genre dans la manière de faire. Dans la puissance vocale. Ouais. Puissance vocale ou volume, c'est ça le problème. Parce que le micro, tu sais, je le place comme ça, je le place comme ça, j'ai essayé un peu dans plusieurs positions. Non mais c'est dans ta puissance vocale. En fait, faut que t'arrives à donner autant de tons, mais en parlant moins fort, quoi. Mais oui, mais en fait, il faut que le son... Tu sais, t'as ma cam ou pas? Enfin, t'as mon live ou pas? Non. Non. Bah tu sais, en gros, j'ai le micro qui est à gauche. Tu sais, c'est un micro qui ouais. fait oui, bah, comme qui moi. Rentre et qui sort, quoi, comme oui. une bite. Et et en fait, pour que le son il capte bien ma voix, j'ai pas un micro qui est juste en face de moi. C'est con que t'aies pas la cam, parce que je montre avec mes mains un truc. Tu sais, non, mais si je vois je ce que tu veux ça dire. Capte mieux le son. Oui. Faut que je parle avec la bouche comme ça, genre ouverte, et du coup, là, il y a le micro. Non, non, mais ça, c'est pas grave, ça. Non, mais pour moi, faut faire exactement la même chose que la une. Mais en moins criant. Et encore, pour moi, ça crie pas. En fait, la une, si la vidéo... Alors, à la fin, c'est bizarre en termes de son. C'est surtout vers le tiers final de la vidéo. Où là, oui, au niveau du son, il y a un truc. Alors, je sais pas si ça vient du mix de Goat ou pas. Mais là, on sent que le micro, il a pris un coup dans la gueule. Mais pour moi, les deux premiers tiers de la vidéo, presque, ils sont clean, quoi. Ah, je vais écouter. En tout cas, il y a vraiment rien qui me choque par rapport à ce qu'on fait. En soi, ça va, hein, la première. Ah, c'est à la fin, je te dis, il y a un truc. J'ai pas la fin, j'ai eu un bug dans le téléchargement, j'ai qu'une minute de la vidéo, j'ai pas la fin. Ah. Je sais pas pourquoi. Parce que comme tout à l'heure, j'avais fait une prise bien et Audacity a planté. Audacity a planté. Et est-ce que t'as essayé de t'enregistrer avec le micro de ton téléphone portable? Non. Parce que généralement, il y a quand même une belle qualité, hein. Ah ouais? Ouais. Mais tranquille, tu fais ça à Pépouze demain, tu vois. Et on voit ce que ça donne. Mais si, de mon point de vue, si on garde la 1, c'est pas catastrophique. La 2, elle sert à rien. Et je pense que sur la 3, tu peux faire mieux, ouais, carrément. De ouf. Tu nous l'as déjà montré, de toute façon. Oui. Donc... Non, non, j'aime la une, elle est bien, elle est dynamique, il y a une ambiance. Peut-être qu'il faut que tu varies un peu plus. Là, t'étais un peu en mode présentateur télé, tu vois. Voix un peu grave, un peu rock. Ouais, c'est ce que j'ai essayé de faire. Peut-être que là, tu peux varier un tout petit peu plus ce truc-là. Bah, ouais. Alors, sinon. Et tu le fais déjà quand tu dis pépère pour les autres, etc. Ouais. Et puis, c'est pareil, si, encore une fois, si tu vois que dans la vidéo. Ouais, c'est ce que j'ai repéré aussi un petit peu de temps en temps. Des fois, il y a des petits trous, genre. Ouais. Entre, par exemple, le POV de... Au tout début, le POV de Nitro et de Zelos. Ouais, ouais, il y a un temps, il faut que j'allonge la phrase un peu, je pense. Bah, pas forcément, mais ouais, tu peux rajouter un truc à ce moment-là. C'est le moment où tu dis « pépère pour les autres ». Au pire, là, t'as Nitro qui parle, enfin, qui fait son truc, réaction, et tu dis... Vraiment pépère. Ou un truc comme ça, tu vois. Et hop, ouais, ça comble le trou, il y a un vide avec la zik, et basta. Carrément. Pour moi, je suis sûr. Après, si tu veux, je te ferai un petit point plus précis.
de ce que j'en pense. Bah, je vais faire ça, je vais bosser là-dessus. Mais ouais, tu un vois, peu même. Cette nuit et demain j'enregistrerai, genre. Ouais, de fou. Même au tout début, tu vois, dans l'introduction, ce que je te disais hier, quand tu dis précédemment dans Petits Oignons. Dans Petits Oignons. Le allonger un peu. Bah, le aux Petits Oignons, tu peux le couper. En deux temps, ouais. Ouais. Dans aux Petits Oignons. Ouais, j'en sais rien, tu le dis comme tu veux de toute façon. Mais après, pour moi, dans la plupart du truc, ça tout me va, quoi. Bah, vraiment, de mon point de vue, si la vidéo elle sortait comme ça, ça me choquerait absolument pas, quoi. Ok. Mais attends, ouais. Bah, au pire, de toute façon, il va nous envoyer les trois versions, entre guillemets, genre. La version voix grésille, et puis la version on se fait chier, et la version on se fait chier sans le nez. Ah non, mais la version on se fait chier, elle sert à rien, vraiment. Ouais. Je veux même pas l'entendre, je préfère mille fois la première. Ok. Quitte à ce que ça grésille. Vraiment, genre. Après, le truc, c'est qu'il y a la musique aussi derrière, mec, hein. Donc c'est pour ça que j'ai vachement baissé au niveau de la puissance vocale et de l'énergie. Ouais, c'est mais ça. Une petite musique entraînante derrière, un petit peu. Ouais, mais ça, avec ta voix de base, c'est pour ça que je te dis, avec ta voix de base, ça passe bien. Et peut-être de temps en temps, moins d'effet rock. Ah, rock and roll. Parce que, en fait, t'as réussi à garder sur le. En fait, tout le long de ta vidéo, t'as gardé une voix un peu présentateur télé, un peu rock, tu sais, un peu graveleuse, mais. Ouais. C'est, pour moi, c'est pas péjoratif, mais j'ai pas le terme qui est pas péjoratif pour dire graveleuse, mais à la garou, quoi. Et je me dis que parfois, comme t'as pu faire dans la vidéo d'introduction, de présentation plutôt, tu peux avoir ta voix très claire, très nette. Plus de variations. Et... Mais comme tu parles là, en fait, tu vois. Ouais. Ok. Et je pense qu'il y a vraiment des moments où tu peux caler ça. Mais en soi, moi je suis déjà... est-ce que j'avais écouté ta première version, j'étais satisfait, mais je l'ai pas écouté avec un casque et tout, je l'écoute avec mon portable, donc forcément ouais. En termes de son, je peux comprendre que ça se trouve, dès que t'as des enceintes, c'est une catastrophe ou... Mais du coup t'as plus de PC toi ? Si, mais je l'ai au travail. Ah, ok. Je vais le retrouver demain, sourire. Et normalement j'ai envoyé des trucs à Goth, il m'a même pas répondu ce chien. Pendant la journée là. Ou alors j'ai pas vu là, sa je réponse. Sais pas si... Et je sais c'est pas moi si le boss, chien. Là, ou si il est dans le vocal, non il est pas dans le channel. Je sais pas. Non il parle plus. Il fait bonjour. Bah il serait temps hein. Ah ouais. Non. Parce que depuis tout à l'heure je t'attends quand même. Mm-hmm. Épreuve de goût. Pas de limite de temps. Enfin si mais je pense qu'on sait pas. Et c'est une 2 sur 5. Eh, c'est plutôt pas mal qu'elle soit de retour, hein. J'ai un poster de lui sur mon mur jusqu'à mes 27 ans. C'est cool qu'il soit ici. Au fait, j'ai quelque chose pour vous. Je me suis senti plutôt inspiré depuis l'autre jour à la batteuse. Alors j'ai créé un petit casse-tête avec une récompense sympa à la clé. Une chatte. On va voir si vous parvenez à la résoudre avant que la chatte ne se transforme en mouille. Incroyable. Je m'y attendais tellement pas. Savourez une chatte. Une milk chatte. Ah, faut laver quelque chose. Il y a de la viande. Il y a une poêle avec de la sauce en train de bouillir. Okay. Méga mixeur. Il y a des trucs qui passent. J'ai une fourchette bizarre. Ah, j'ai mangé. J'ai mangé un burger. J'ai mangé un poulet. Ok. J'ai un extincteur. J'ai une fourchette bizarre. Il y a un micro-ondes avec un code. Ah, j'ai une fourchette bizarre aussi. À 3 chiffres. Ouais. T'as une fourchette bizarre aussi ? Il y a quoi dans le micro-ondes ? Ah, viens ouvrir là. Il y a une fourchette dans le micro-ondes aussi avec un steak. Viens ouvrir ici là, dans la boule. Ah, c'est à ça que servent nos fourchettes ? Ouais. Okay. Bah, la dernière fourchette est dans le micro-ondes. Mais il faut un code à 3 chiffres. C'est quoi ça ? Loup ? O-U ? Congeler les restes de pain.
cuisine propre est une cuisine sûre. Comme une fruit. Ok. Connaissance interdite sur les micro-ondes, shoot Bruxelles, bec de poulet, œuf. Viande 3,35. Essaye 3,35. Non! Quoi? Bah, y'a une fourchette, frère, dedans! Bah oui, c'est ce que je t'ai dit! Mais oui, mais du coup, la fourchette dans le micro-ondes, c'est peut-être pas la meilleure idée, frère! Bah vas-y, extincte-lui la gueule! Mais je peux pas l'utiliser, frère, utiliser objet. Ah, c'est bon. Good thing that fire extinguisher worked! Usually I put him there for show! Un peu trop cuit. Oh, everything went perfectly! C'est tout? Niveau 2, frère. Ça va? Vous n'avez pas l'air bien. C'est peut-être à cause de la chatte empoisonnée. Vous l'avez pénétré? Mais pourquoi? Je l'avais préparé avec amour. Le déjeuner n'est pas une excuse pour se laisser aller. Vous croyez qu'on peut faire une pause durant une pénétration? Vous ferez mieux vite de trouver la capote, car ses parents arrivent et je ne sais pas si j'ai joué. Au secours. Oh, qu'est-ce qui t'arrive? T'as un objet? Ça va, mec? Bah ouais. T'as un objet ou pas? Non. Le manque de peau, c'est vide. Putain, la viande cuite au micro-ondes. Montre-moi les donuts, s'il te plaît. Carré O U carré. Merde. J'ai joué ça. Oh le bordel. Il n'y a pas de milkshake. Fuyez les mauvais régimes. Ah, j'ai un couteau. J'ai un glaçon avec une clé. Dans la poêle. Let's go, petite clé. Porte. Let's go! Alright. On dirait la table du personnel, c'est cosu. Ok, il y a un plateau qu'on peut déplacer avec une flèche. Cette salle, je vais laver la cette salle. Vas-y. Je sais pas si j'ai une éponge, mais. Réservé au personnel. Ok, il faut une clé pour ouvrir cette merde. À cette cryptique. Ah. Cryptique. Ah, c'est moi ça. Vas-y. Mec, t'es un génie. Antidote à la sienne, la Solange. Un soupçon de votre poison, trois soupçons du contraire, un peu d'eau minérale, agité sans remuer. Oh, c'est de l'antidote, d'accord. C'est pour te soigner en fait. Poison. Les élèves mangent là. Y'a quoi là-dedans? Oh, j'ai un code à 4 couleurs. Ou 4 formes. 5 formes. Personne ne me demandera si je me coupe une part. Ah, je coupe une part de gâteau. Ah, rouge, jaune, violet, bleu. Timing, mec. Ouais, incroyable. Encyclopédie des poissons. La fève de calabar provoque une teinte jaune de la vision, des gargouillements d'estomac et la mort. La belladone
provoquent une teinte violette de la vision, c'est ça que t'as, un pouls audible et la mort. Cependant, quand elles sont mélangées dans les bonnes proportions, elles peuvent servir d'antidote. Étonnant, non? D'accord. C'est délicieux. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est délicieux. La machine à café. T'as pas de clé, toi? Non. Oh! T'as été déco? J'ai été déco. Je te réinvite. On va devoir refaire ça. Vas-y, on speedrun. Hey there! Milkshack. Go ahead! Try to unlock my tasty treat! T'as ramassé la fourchette sur le truc là? Dans les assiettes? J'ai mis une fourchette pour l'instant. Et là. Et la deuxième. That fire extinguisher worked. Usually I put them there for show. Everything went perfectly. Let's go. Je suis malade. Comme avant. Mais t'es malade toi aussi là? Non, c'est parce que c'est toi qui as mangé. Excellent mec. Flèche. Je vais couper le gâteau, je vais laver l'assiette. Didn't learn from the poison ice cream. Jaune, violet, bleu. Ça va pas marcher. Je sais pas où t'avais eu ça. C'est l'assiette que je vais nettoyer. Elle est là-dedans. J'ai repris la première, j'ai tout retouché, c'est cool en vrai. Pour la fin, je mets quoi comme image pour la vanne? On a rien là. Bah tu fais apparaître t'es genre un gros drap, genre je sais pas, un gros drap moche, parce qu'on dit que c'est des beaux draps, mais un gros drap moche. Et quand je dis suite, tu rajoutes une photo de une image d'une belle suite d'hôtel. Et tu mets un petit drap qui apparaît, genre vraiment pour accentuer
la blague nulle. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, si. Très bien, bien, c'est ça. Mais fais exactement le même humour que du pain sur la planche. Exactement la même chose. Voilà. Sauf que là, même le drap, tu peux le faire réapparaître, limite clignoter, vu que si je le répète ou quoi. Vraiment très cringe. Et quand je dis t'as compris, tu peux limite mettre le oignon qui est mort de rire. Du coup, c'est là où on en était. Éclate-toi. Et c'est là, je sais pas où on doit, ce qu'on doit faire. Il nous faut une clé pour ouvrir cette merde là. Ouais, c'est vrai. Ah, déplacer. Bam. Oh, c'est la pyramide de là-bas. Jaune, vert, bleu, orange. Ça, hein, ça t'avance? Absolument pas. Ah! Oh putain, mais avec tes couleurs, on voit rien. Comment ça, avec mes couleurs? Faut éteindre la lumière? T'es empoisonné là? Non. Jaune, bleu, jaune, marron. Fromage, pomme, viande, pain. Fromage, pomme, viande, pain. Droite. Haut. Bas. Yes. Ah. Je suis caché. Salut mec. T'es là-dedans? Pourquoi it have to be my milkshake, Eel? It's the perfect ruse. It had to be the milk. Milk's irresistible. Faut mettre du lait. Ramasser la clé. Clé du personnel. Allez, hop. Ah, trop bien. Ciao les gars. Du lait ? Ah putain, c'est ça. Jus de palourde. Amer à la noix de muscade. Sirop d'érable. Extrait de fève de calabar. Eau tonique. Eau je sais pas quoi. There's a reason we keep this stuff locked up. C'est toi qui as la recette ? Non, c'est pas ça la recette. Si ? C'était ça ? Bah moi de toute façon j'ai objet, j'ai que ça moi. Donc il faut de l'eau minérale. Ton poison c'est la belladonée. Ouais. Y'a pas de belladonné. Calabar. Oui, le poison c'est la fève de calabar. Ah non. Fève provoque une teinte jaune de la vision, des gargouillements d'estomac et la mort. Bah oui, mais toi c'est pas jaune, c'est violette. Ah. Belladonné. Ah, mais y'a pas de belladonné. Ah si, sirop de belladonné. Là. Sirop belladonné. Hop. Il faut de l'eau minérale aussi, non? Attends, je vais épingler. Hop. Trois soupçons du contraire. Donc la fève. Ouais. On est d'accord, hein? Ouais, trois fèves. Un peu d'eau minérale. Agiter sans remuer. Et faut que tu boives ça. Yes. Ah si, il m'a entendu tout à l'heure. Ton emote de train est juste folle. Ouais, ça va, tu kiffes? Faut qu'on pense à... Faut qu'on imagine à ce qu'on met comme wagon. Et puis let's go. J'ai fait des emotes train de l'hype. Parce qu'on est d'accord, quand on a un train de l'hype, il débloque des trucs. Niveau 1, 2, 3 ou je ne sais quoi, non? C'est quoi l'emote train du coup, tu l'as envoyé où? En MP. Ah, à côté. MP. Oui. Oui, parce que en fait, avant d'envoyer des trucs pour tout le monde, j'envoie à lui, il me dit, et au moins, voilà, les gens prennent pas n'importe quoi. Le chouchou est ouf, oui. Ok. De ouf, il débloque des emotes d'animaux. Ouais, et ça, on peut les changer ces emotes là, non? On peut lui faire débloquer l'emote du train de l'hype, non? L'emote train de l'hype? Ah, on peut pas. Oh merde. C'est aléatoire.
1. Ah, c'est chiant. C'est parce que, en fait, je pensais que tu choisissais ce que les gens y débloquaient avec le train de la hype. Ah ouais, vraiment. Oh, c'est de la merde. D'accord. Ah mais du coup, ils vont servir à quoi ces emotes là? Enfin, on n'a pas de place quoi en fait, tu vois. Ou alors si, mais faut que tu remplaces les tiennes et que tu les mettes exprès pour l'occasion à chaque fois. Bon allez. On aura l'occasion d'en discuter. You survived Eel Specialty. Delicious once you've built a tolerance. On peut faire ça, ouais. Ouais, j'ai vraiment cru que ça était fini pour vous. Au travail, je vous sens peut-être dur, mais c'est normal, plus c'est dur, mieux c'est. Désolé d'avoir profité de votre femme, mais elle est tellement bonne, vous comprenez. Je ne pourrais plus jamais goûter une chatte de la même façon que celle de votre femme. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est de pire en pire. Oh merde. C'est incroyable. Oh putain, c'est... On en a combien là? Combien on en a fait? Donc il nous en reste 5. 1, 2, 3, 4. Non. Il y en a 11, ils ont dit, non? 1. 10? Oui, bah je si. Parce que là, si, c'est qu'une ouais, seule. Hein. Ça, c'est qu'une, tu penses que c'est qu'une seule, ça, là? La serrure, ouais. Là? Je me dis, ça se trouve, il y a le bas et le rond. Et le rond, ouais, possible. Je sais pas. Est-ce qu'on se garderait pas ça pour demain? Ouais, carrément. T'es chaud? Ouais, je suis chaud. Comme ça, on se le fait pas. Parce que sinon, on va s'en faire un autre là. Parce que je suis tenté d'en faire un autre. Mais après, demain, oui. On va pas être content. Parce qu'on... Et on va jamais s'arrêter après. Donc. Ouais. C'est sympa que la chambre elle se remplisse petit à petit. Ouais. Les gamins. Oh, c'est l'ordi. Pute. 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 Ah, my star student. Ah. Non, non, je veux pas voir ça. Bon, on quitte ? Ouais. Oh, qu'est-ce qu'on a après ? L'arène. Oh, putain, on va faire l'arène. Insane. Bibliothèque, on n'a rien fait encore. Sinon, tout le reste, on a fait des trucs. 7, 8, 9, 10. Ok. Eh ben écoutez, trop cool. Super cool, ouais. Le content. Jeu est vraiment chouette. Bon, c'est. Les doublages ça... sont extraordinaires aussi. On pourrait se dire, ça fait mal au cul de mettre 20€ là-dedans. Parce que c'est vrai qu'on le torche. Ouais. Mais quand tu vois le dev hein, qui a derrière quand même, il y a quand même un vrai développement derrière le jeu quoi. Vanilla ouais. Putain. Non, il y a un vrai truc, tu sais pourquoi tu t'achètes le jeu 20 balles quoi. Ça s'entend. Bien messieurs dames. Je vais faire avec quelqu'un d'autre mais je vais m'arrêter là, je crois. Non rien. Vas-y, tu disais quoi? Ce fut un plaisir de partager ce moment avec vous et voilà, ouais, cette vidéo elle ira sur YouTube, ouais. C'est très drôle. Très content d'avoir fait ça avec vous aussi, Shin, c'est toujours un plaisir de. Bien sûr, avec toi. Toujours un plaisir, pute. Et voilà, passez une excellente soirée, un excellent moment, exactement. Peu importe ce que vous faites, que vous soyez sur YouTube ou Twitch. Prenez soin de vous et on se retrouve pour l'épisode 2 demain en live. Et bientôt sur Twitch, sur YouTube. Au revoir! Des bisous! Pute!